Et c'est parti pour un nouveau live aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud ce soir, ce matin, les amis? On dirait les fêtes foraines, n'importe quoi, les forains, là. Est-ce que vous êtes chaud pour aller être aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, c'est un live plutôt particulier. Vous allez être plutôt surpris de ce qui s'est passé. De toute façon, je pense que vous voyez le titre du live et ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais essayer de retrouver ma fille, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Genre, je l'ai vraiment perdue, enfin... Là, dit comme ça, on dirait que c'est bizarre. Mais je crois que j'ai perdu ma, je crois que j'ai perdu ma fille. Bref, on va voir cette histoire-là durant ce live-là. Est-ce que vous êtes chaud là dans le chat? Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Genre, il y a tout le monde qui dit yo, yo, bonjour, salut. Êtes-vous chaud le choco? Je veux voir tout le monde dire oui avec un smiley triste. Avec un smiley qui pleure, un smiley triste. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe là aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Déjà, je veux voir tout le monde dire oui avec un petit smiley triste ou nez. Parce que Lexa, on l'a perdu. Enfin, je l'ai perdu. Mettez tous un petit oui avec un smiley triste. Ou ne... Smiley triste. Oh non, il y a plein de petits smiley tristes. Oh non, je suis triste maintenant. Oh non, je suis triste. Oh non, je suis triste. Bon, le live, il va commencer dans quelques instants. Comme ça, je vais tout vous expliquer. Il y a 38, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Tout le monde fait le compte à rebours maintenant. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Allez, je vais voir tout le monde là faire le compte à rebours. 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et avant que je vous explique tout, on lance quoi? Normalement, là, vous devez tous connaître dans les commentaires, dans le chat. Vous devez tous savoir ce qu'on lance là, normalement, à cette heure-ci. On lance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci. Et oui, j'espère que vous êtes tous abonnés, que vous avez tous mis le gros pouce bleu, que vous avez mis le code CHOCO dans la boutique CHOCOH. Pour les personnes qui veulent me soutenir et qui sont connectées actuellement sur Fortnite, n'hésitez pas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un live plutôt particulier, puisque j'ai perdu ma fille. C'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Il y a Gros Yeux qui est actuellement chez son copain, comme tous les samedis dimanches, qui est en train de dormir chez ses copains. Sauf que Lexa, elle était censée dormir ici. Sauf que ça fait un moment que je la cherche et que je la trouve plus en fait. Donc je sais pas où elle est passée. Et c'est un problème parce que j'ai perdu ma fille en fait. Donc on rigole. Mais peut-être que quelqu'un l'a kidnappée sur Fortnite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc on va essayer de trouver ça. Enfin on va essayer de la retrouver. Est-ce que vous avez une idée dans le chat d'où est-ce qu'elle pourrait être? Parce que là, non, en vrai on rigole. Mais là c'est chaud. Hein. Vous imaginez vraiment perdu ma fille. Attendez, peut-être que si je rentre dans la pièce secrète, pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo, où je rentrais dans une pièce secrète là de mon enfant, et j'avais trouvé des petites choses, mais peut-être que Lexa est cachée à l'intérieur, ou peut-être qu'il y a une autre pièce secrète où Lexa est cachée, j'en sais trop rien. Mais c'est trop bizarre, non, il n'y a pas de... Elle n'est pas cachée là. D'ailleurs, il a toujours pas ramassé, il m'a dit qu'il allait ramasser ce fou. Il a toujours pas ramassé ce fou. Ok, bon bah, je sais pas trop. Hein. Bon, je pense qu'il faut que je me mette en... Il faut que je change de tenue. Il faut que je me mette en skin enquêtrice. J'ai perdu ma fille, ouais, je le chat. On a perdu Lexa. Non mais moi je vous dis, on va la trouver. Moi je vous dis, à la fin de ce live, on a intérêt à la trouver là. Dans moins de 5 minutes, pour moi, je la trouve. Alors. Je pense que je vais mettre ce petit skin. Là, il faut partir du principe où là, je suis pas contente. Là, je suis énervée. Il faut absolument que je trouve ma petite fille, là, Lexaxa. Donc, est-ce que je mettrai pas ce skin-là? Ce skin démon, la opaline version énervée. Opaline, mais pas contente. Dans le chat, dites-moi oui, dites-moi non si vous préférez l'autre. Là, ça va plus, là. Où est passée Lexa? Au pire, sinon, elle est peut-être partie avec Gros Yeux. C'est impossible. Oh, il y a des gens qui me disent la pomme. Vous imaginez, elle avec la pomme? Avec Monsieur Pomme, c'est la pomme. Il y a tout le monde qui est en train de me dire c'est la pomme. Arrêtez, vous êtes tous en train de me dire que c'est Monsieur Pomme qui l'a capturé. Bon. Oui. Oh mon Dieu, attendez là, vous me faites encore plus peur. Si Monsieur Pomme a capturé Lexa, en sachant que Lexa... Oh non. Vite, je vais changer de skin. Je vais mettre en skin énervé. Là, le sac à dos, je vais le mettre en sac à dos pas content. Arrêtez là, faut que je me dépêche, ça veut dire... Eh, vous imaginez, c'est vraiment Monsieur Pomme qui l'a capturé? Non, mais vous imaginez vraiment? Ça veut dire que il est sorti de prison?
Non, attends, je vais aller chez le commissariat. Déjà, faut juste que je change de skin, tout ça, tout ça. Je vais mettre ça. Là, je suis pas contente. Là, écrivez tous chocolat et énervé dans le chat. Là, je suis pas heureuse. Voilà, je suis énervée. Mon skin, il est énervé. Mon sac à dos, il est énervé. Une note sur 20. 20 sur 20, franchement. 20 sur 20. Ok, c'est parti. Je vais partir directement. Peut-être qu'elle est cachée, mais j'ai fait tout le tour de la maison. Donc, c'est pas possible qu'elle soit cachée quelque part. Vous savez, je vais fermer la petite porte et je vais y aller. Je vais descendre, hop, hop, hop. Et je vais regarder. Ah, ça se trouve, on a reçu une lettre, en fait. Hein. Attendez, j'avoue. J'ai pas tilté, mais peut-être qu'on a reçu une lettre. La dernière fois que j'avais reçu une lettre, c'était pour recevoir une lettre d'un admirateur secret d'un youtubeur Fortnite. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu de nouvelles du youtubeur Fortnite. La vidéo, si vous voulez la voir, c'était... C'était quoi déjà ? Ouais, j'ai reçu une lettre de ce youtubeur Fortnite, un truc comme ça. Donc, bon, si vous voulez la regarder. Bon, maintenant, j'ouvre la lettre. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle lettre, on sait pas. Enfin, ça m'étonnerait pas en vrai, parce que j'ai pas regardé mes lettres depuis longtemps. On continue à ouvrir, peut-être qu'il y en a plusieurs. Ok, normalement, c'est bon. On va regarder. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Viens au poste de police ! Quoi ? Signé Patrick ! Vous aviez raison ! Vous aviez raison, le chat ! Viens au poste de police ! Monsieur Pomme s'est échappé, signé Patrick ! C'est une blague ! Donc, en fait, vous aviez clairement raison. Patrick, c'est le commandant du poste de police. Il est en train de dire que Monsieur Pomme, qui est un criminel, bah, s'est échappé. Le criminel qu'on a réussi à mettre... Oh mon Dieu, mais tout est lié. Mais tout est lié. Ça veut dire qu'on va devoir trouver Lexa et Monsieur Pomme. Puisque vu que Monsieur Pomme s'est échappé, et Lexa, en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, ils sont allés voir Monsieur Pomme et ils l'ont frappé, ils l'ont traité de caca, des insultes très cocasses. Genre rigole, mais là, je ris jaune. Je sais pas du tout comment on va faire, là. Oh non, en plus, vous êtes en train de mettre des emojis pommes dans le chat, ça va pas du tout aller vite. Je vais me dépêcher, je vais immédiatement prendre ma petite voiture là et on va se dépêcher d'aller voir Monsieur Pomme et Patrick. Attention, par contre, faut vraiment que je conduise correctement si j'ai pas envie de faire un accident et de me retrouver à l'hôpital. Parce que là, à chaque fois, je fais des bêtises. On va essayer de faire attention, hop, on tourne et c'est parti. Eh, mais par contre, c'est chaud là. Pas de musique quand même. On veut pas écouter de musique. C'est vert, on tourne. Ils m'ont dit d'aller au poste de police. Rendez-vous au poste de police. Ok. Oh là, attention. Attention, je me gare correctement. Je crois qu'ils sont là. Hein. J'ai peur. Est-ce que j'y vais ? Vous imaginez, c'est un piège de Monsieur Pomme ? Vous imaginez, c'est un piège de Monsieur Pomme ? Eh, on sait pas en vrai. Je sais pas. J'ai peur. Je sais pas si c'est un piège de Monsieur Pomme, mais là, je me sens pas bien. J'avance ou pas ? Est-ce que j'y vais ? Ok, j'y vais. J'y vais. Bonjour. Vous êtes... Bonjour, vous êtes bonjour, neveu, madame. Vous êtes neveu? C'est la première fois que je vous vois ici. J'ai reçu une lettre de... Patrick. Ouais, de Patrick. Qui me disait que Monsieur Pomme s'était échappé. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que maintenant vous avez des gardes. Je vois que là-bas il y a un garde. Oui. Complètement. Monsieur Pomme s'est vraiment échappé. Est-ce que je pourrais parler à Patrick par hasard? Il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui ? D'accord. Et je pourrais pas parler avec quelqu'un qui travaille... Enfin, qui a un haut grade ? Non ? Non. Si, moi, j'ai un haut grade, madame. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est produit, là, le... Monsieur Pomme, comment il s'est enfui ? En fait, pendant la nuit, le problème, c'est que le garde, ce monsieur, cette madame s'est endormie. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pris les clés et il s'est échappé du commissariat. Cette porte n'était pas verrouillée, donc il s'est échappé. Oh non, bah oui, la porte, elle tenait pas, même dans ma vidéo. Et j'avais essayé, quand j'espionnais ma famille, et bah, y avait la porte qui tenait pas. Bah, du coup, bah, c'est la catastrophe. Ok, en fait, le problème, c'est que là, j'ai perdu ma fille et je sais pas où elle est. Et j'ai aucune indication puisque Patrick n'est pas là et c'est censé être lui qui gère toujours mes problèmes comme ça. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc, je dois chercher toute seule là, vous êtes en train de me dire ? Non, on pourra venir vous aider si vous voulez. Oui, vous êtes policier, j'aimerais bien que vous puissiez m'aider là. Je fais comment moi si j'ai perdu ma fille? Je vais essayer de trouver des indices dans toute la ville. Je vais essayer de les trouver, faire un cache-cache, on sait comment là. Avec mon collègue, on va essayer de partir en patrouille et si on voit Monsieur Pomme, on vous le dit tout de suite. Oui, merci, vous pourrez me l'indiquer. Bah, je vous tiens au courant. Nous supposons qu'il est avec un complice. Vous supposez qu'un complice? Non.
avec quelqu'un d'autre. Oh, oui, les criminels. Ouais, ouais, je vois de qui vous parlez. D'accord, bah, merci beaucoup, la police. Bah, je vous appelle s'il y a vraiment besoin, mais je vais essayer de trouver des indices. Ou peut-être que je vais les trouver dans la ville. J'en sais trop rien. Bah, passez une bonne journée. Au revoir. Okay, au revoir. Non, mais c'est chaud. Hein. Là, c'est très très chaud. Donc là, il faut que je... Mais comment je vais faire? Vous voulez que j'aille où, le chat? En vrai, je sais pas où je pourrais aller, puisque bah, j'ai aucune indice. J'ai aucune indication. Ils m'ont juste dit, bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais j'ai aucune indication. Je suis censée aller où? Je sais pas. Ah bah attendez, peut-être que Lexa, elle aime bien. Lexa, c'est pas là, là, c'est la sortie du drive. Lexa, elle aime bien le Burger King. Je me dis que peut-être qu'elle est au Burger King, j'en sais trop rien. Attendez, peut-être qu'elle est au Burger King. Eh, mais ça se trouve, là, on est en train de se prendre la tête, on est en train d'avoir peur pour Lexa, alors que peut-être que Lexa, y a rien du tout, il se passe rien. Le problème, c'est que cette théorie, elle peut pas être valide, puisque on a reçu une lettre de Monsieur Pomme et... enfin, de Patrick en disant que Monsieur Pomme, il s'est enfui de la prison. Donc ça colle, là, en fait. Ça colle bien avec les deux trucs. Ok, je vais aller manger... Bah non, je vais pas aller manger. Je vais aller au Burger King, puisque... Elle est tout le temps là-bas. Mais vu que j'aime bien manger, là aussi, j'aimerais bien prendre un petit truc. Je sais pas trop. Il y a quelque chose écrit. Il y a écrit quelque chose. Pourquoi le chat, vous êtes en train de me dire qu'il y a écrit quelque chose? Comment ça? Ah, c'est quoi ça? J'ai votre petite Lexa. Ha ha, je suis à la banque, ha ha. C'est Monsieur Pomme? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Eh, attendez, là, ça commence à bien faire. Bonjour. Vous m'expliquez ce que c'est que ça, là? J'ai votre petite Lexa. Ha ha, je suis à la banque, ha ha. C'est qui a écrit ça? C'est qui? C'est Monsieur Pomme. Donc, en fait, c'est Monsieur Pomme. Oui. J'ai vu Monsieur Pomme et Madame Lexa... derrière la banque. Venez. Comment ça? Mais comment ça? Je ne peux pas rentrer dans votre voiture. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Vous avez vu? Rentrer, madame. Mais je ne peux pas rentrer. Ok, c'est bon, je rentre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous faites bien partie de la police là, parce que je vois que vous avez votre voiture. Oui. Je rentre pas dans la voiture des inconnus de base. Vous êtes en train de me dire que... Mais sortez! Mais non, faut pas les espionner. Faut sortir là. Mais allez, vous êtes la police. Qu'est-ce que vous me racontez de les espionner? Il partout. Mais hé, attendez, mais ah, mais pardon, non, mais monsieur, ah, mais vous allez pas bien, monsieur, oh, ils m'ont tué. Attendez, il y a Monsieur Pomme. On vient de voir Monsieur Pomme, là. Vous venez de voir Monsieur Pomme avec Lexa et quelqu'un d'autre. Il vient de m'écraser. Ma voiture, je vais pas aller à pied jusqu'à là-bas. Mais c'est des malades. Monsieur Pomme m'a écrasé. J'ai trop mal à la gorge. Oh mon dieu, vite. Mais la police, elle est incapable ici ou quoi dans ce quartier? La police, normalement, c'est eux qui sont censés faire quelque chose. C'est eux qui sont censés me protéger. Ils sont là, ils me disent, bah venez, on va les espionner. Mais on s'est cru où là? Sur YouTube Fortnite? On sait comment? Non mais, je vais pas espionner ma fille avec Monsieur Pomme. Je vais récupérer ma fille et puis c'est tout. Oh mon dieu, ils sont où? Ils sont où? J'entends une voiture. J'entends des balles, wesh. Qu'est-ce qui se passe? Eh, je vois dans le chat où t'étais en train de mettre des pommes. Arrêtez de me mettre des pommes dans mon chat. Mettez des pommes avec un emoji mort, là. Avec un emoji TC. Mais j'ai perdu ma voiture en plus de ça. Mais c'est une blague. Je vais faire comment pour retrouver ma voiture? C'est la police là-bas, ça. Eh oh! Eh oh, excusez-moi! Excusez-moi, vous faites partie de la police? Excusez-moi! Ils sont incapables, ces policiers! Je comprends pas ce qu'ils font. Ma voiture, je l'ai perdue. Il y a personne qui veut me donner des indications sur ce qui est en train de se passer. Il s'agirait de m'expliquer, là. Il s'agirait vraiment de m'expliquer. Je trouve personne. Mais il y a des voitures qui passent partout! Mais excusez-moi, mais vous, pourquoi vous voulez pas me donner des indications? Excusez-moi. Ah, enfin, je sais pas, votre collègue est bizarre, il veut pas me répondre. Attendez, ouais. Chacun m'explique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, vous? Nous avons trouvé la pomme, mais nous l'avons poursuivi. Les arrêter, ils sont juste là-bas, ils sont derrière le bâtiment. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit, vous? Il y a la pomme. Mais où ça, il y a la pomme? Mais vous faites partie de la police, elle a récupéré ma fille, quoi. Oui, elle a récupéré, on l'a vu. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais allez la prendre! Mais moi je peux pas y aller puisque je... Mais...
Mais qu'est-ce qui... Mais, mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais allez les courser, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est dramatique. La prochaine fois, je donne plus rien. Je dis plus rien aux policiers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais... Désolé, madame, j'y vais. Mais... Hey, au point où vous en êtes, franchement, ne faites plus rien. Hein. Laissez-moi trouver ma propre fille. Là, y a la police. Il y a Monsieur Pomme qui était juste devant avec ma fille. Au lieu de les récupérer, vous étiez en train de les regarder, en train de tirer à côté. Faut pas tirer sur eux, mais... Non, mais tirez pas sur eux quand même. Il y a ma fille à l'intérieur, bande de fous. Non, mais abandonnez, hein, franchement, abandonnez. Oh, sincèrement, laissez-moi faire mon taf, hein, dans ce cas-là. Moi aussi, je vais faire mon taf de mère, je vais essayer de trouver ma propre fille. Franchement. Désolé, madame, nous sommes nouveaux. Ah bah, franchement, je sais pas comment je vais faire. Déjà, là, j'ai un gros problème, les abonnés. J'ai un très gros souci. Déjà, on a perdu ma petite fille d'Exa. Et en plus de ça, j'ai perdu ma voiture. Donc, comment je vais faire pour trouver ma fille en sachant que je n'ai pas ma voiture? Je vais essayer de retrouver ma voiture tout au long de... de la map. Quelqu'un se souvient où j'avais déposé ma voiture? Je sais plus du tout. Ok, c'est vert. Hop, 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 on traverse. Je sais pas, je l'ai mise. Vous imaginez, c'est Monsieur Pomme qui l'a volé en plus de ça? Non, je crois pas. Mais je l'ai perdu. Mais. Si la police passe, je vais leur demander s'ils ont pas vu ma voiture. Mais excusez-moi! Bon, ils m'ont pas entendu. Ils m'ont pas entendu. Je vais me mettre là-bas de l'autre côté. Excusez-moi, mais excusez-moi. Oh, m'écrasez pas. J'ai besoin de vous. J'ai perdu ma voiture et qui dit de retrouver ma fille avec Monsieur Pomme? Il faut que je retrouve d'abord ma voiture. J'ai pas ma voiture, donc je peux pas retrouver ma fille. Est-ce qu'il serait possible de me dire, vu que vous avez une voiture, de retrouver ma propre voiture, s'il vous plaît? Est-ce possible, Monsieur les policiers? Oui, madame, oui, c'est possible. Ok, est-ce oui, que on vous peut pouvez... vous en prêter une. D'accord, bah, vous pouvez m'en chercher une. Je vous attends ici. J'attends ici. Ok, on arrive tout de suite. Bon. Je sais pas comment on va faire. Hein. Les abonnés, là, je sais pas du tout comment on va faire. Ça risque d'être trop compliqué. Et j'ai perdu ma voiture, j'ai perdu ma fille. Notez mon désespoir sur 20 là dans le chat. Vraiment, notez mon désespoir. Oh là 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 là. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire dans le chat? Ah, ils arrivent, je crois. Je crois qu'ils arrivent là-bas. Oh là là. Je crois qu'ils sont là-bas, non? Je crois que... Burger King... Peut-être qu'elle est repartie à ta maison, peut-être qu'elle est au Burger King. Burger King, à la banque. En fait, vous êtes en train de me demander d'aller dans des endroits où elle pourrait probablement y aller. Ah, à la pomme, au McDo. Mais il est policier. Mais ils sont sérieux, franchement? J'ai jamais vu des policiers comme ça. Normalement, les policiers, France, ils font leur boulot. Mais vous allez pas m'écraser, bande de fous! Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait une voiture par hasard pour moi? Madame, nous n'avons pas trouvé de voiture. Vous avez trouvé aucune voiture? C'est quoi cette voiture là-bas? Il y a une voiture verte. C'est pas la voiture de Monsieur Pomme? C'est la voiture avec Monsieur Pomme et l'autre. Ah, vous savez quoi? Moi, je vais aller faire votre boulot. Moi, je vais essayer de me récupérer une voiture dans votre commissariat. Mais j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de voiture dans votre commissariat. Je n'ai jamais vu ça. Franchement. Je sais pas comment je vais faire. J'ai plus de voiture. Mais j'ai plus de voiture. Peut-être que ma voiture, elle a respawn aussi quand je suis morte. Hey, ils sont tous en train d'essayer de récupérer ma fille. Et puis t'as moi, comme ça. Je recherche quoi? Bah, ma voiture. Oh non. Mais y a pas quelque chose qui pourrait m'indiquer où est ma fille, quoi. Je comprends pas. Il n'y a aucune voiture, vous allez me dire. Au pire, même s'il faut, je vole une voiture, j'en sais trop rien, mais là... Juste que j'ai une voiture... Non, il n'y a pas ma voiture ici. Oh non. Gizmo, il n'a pas une voiture? Gizmo, en plus, je crois que là, il est pas dans sa maison de campagne. Est-ce que je rentrerai pas dans sa maison? Non, on n'a pas le droit de rentrer dans la maison des gens comme ça, Choco. On n'a pas le droit, c'est pas bien. C'est pas... Peut-être qu'il nous cache des choses, en plus. Il n'a pas un parking, ça, c'est pas un parking.
Je sais pas, mais j'ai juste une voiture, quoi. J'ai juste une voiture. Oh! Oh! Excusez-moi, attention, me roule pas dessus. Excusez-moi, c'est une voiture? Ah, c'est pour moi, oh merci. En plus, elle est rose. Oh, merci beaucoup pour la voiture. Je vous la rends juste après, vous inquiétez pas, mais j'ai perdu la mienne et je sais pas où elle est. Bah, je vous laisse. Au revoir. Ok, maintenant, il faut absolument que je trouve ma fille. Les policiers dans cette ville, sur Fortnite, sont quoi, ne servent strictement à rien, mais je sais pas bien conduire. Donc, donnez-moi des bâtiments ou des endroits où je pourrais aller, où je pourrais peut-être trouver ma fille. Où est-ce que je pourrais aller en vrai? Où est-ce que je pourrais aller? Au Burger King, tout à l'heure, on a trouvé pas mal de choses sur elle. Moi, je dirais au Burger King, ça pourrait être une bonne idée. Là, c'est quoi ça? Amination. C'est une prison? C'est quoi ça? Attendez, je vais y aller. C'est quoi ça? Ah, c'est pour acheter des armes? Bah, moi... Enfin, faut pas acheter des armes, mais là, au point où on en est, il me faudrait bien une petite arme pour peut-être capturer la pomme. Est-ce que je pourrais... Oh non! Je crois que j'ai dépensé... Oh oh. Bon, tant pis. J'aurai pas d'armes pour le moment. Je vais pas avoir d'armes. Excusez-moi? Bon, c'est pas grave. Oui, madame. Oui, en gros, moi, je pense qu'il me faudrait une arme au cas où. Parce que, avec Monsieur Pomme, c'est un criminel. Et puis, j'ai déjà passé une formation, etc. Je pense qu'il faudrait que j'ai une arme. Une arme lampe. Est-ce que vous avez ça pour moi? Oui, on en a. Est-ce que vous pouvez m'en donner une au cas où, moi, de mon côté, je fais mes propres recherches? Merci, ok, pistolet lampe. Est-ce que ça tire... Ça tire beaucoup? Oui, madame. Ok, d'accord, j'ai peur moi en fait des armes. Bon, faites votre recherche de vos côtés et appelez-moi si nécessaire. Maintenant, je fais mes recherches de mon côté, en espérant que la police ne va plus venir, parce que là c'est bon. Ils sont déjà venus trop me voir là. Ils me donnent des indices, t'as peur. Bon, après ils m'ont quand même passé des armes, donc là en vrai je suis plutôt contente. Là avec les armes là, je vais pouvoir bien trouver Monsieur Pomme. Donc où est-ce que je pourrais me garer là pour voir le Burger King? Je pourrais me garer juste ici, non? Mais ma voiture, elle était là, en fait! Mais je suis complètement stupide! Bon, c'est-à-dire que j'ai deux voitures, hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher une voiture alors que la mienne, elle était garée ici. Quand je vous dis que c'est grave pour moi de me garer sur Fortnite, c'est que j'oublie à chaque fois où je suis. Alors, je vais aller au Burger King, essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un. Bonjour! Je vais enlever mon arme, sinon il va avoir peur. Excusez-moi, vous êtes... vous parlez? Oui, allô? Ah, d'accord. J'ai un problème. Je sais pas si vous avez entendu parler dans le quartier actuellement, mais j'ai actuellement perdu ma fille. Lexa, est-ce que vous l'auriez vue? Ma fille est petite. Elle est petite. Oui. Comment je pourrais vous donner des détails? J'ai vu une pomme ici quoi passer avec une fille. Mais attendez, je vous entends pas très très bien. Les voitures font beaucoup trop de bruit. Vous avez dit quoi? J'ai vu une pomme avec une fille. Vous avez vu vraiment une pomme avec une fille? Comment ça? Une fille? Elle était comment la fille? Elle était petite? Elle est petite comme ça. Ah, comme ça comment? Très très petite, comme une enfant. Comme une enfant? Vous pouvez me remontrer comment elle était? Elle était comment? Elle avait des yeux rouges. Quoi? Comment ça elle avait les yeux rouges? Lexa les yeux rouges dans le chat? J'ai jamais fait attention si Lexa avait les yeux rouges. Vous êtes sûr que les cheveux blancs? Est-ce qu'elle avait les cheveux courts? Oui. Ok, bon, moi, ça veut dire que c'est elle. D'accord. Et vous l'avez vu là, passer quelque part, là, il y a quelques instants? Si vous les voyez... Là, vers là-bas? Oui. Si vous les voyez, vous appelez tout de suite la police, vous m'appelez. Je vous donne mon numéro de téléphone si vous voulez. Attendez, je me mets juste sur YouTube. Donc, mon numéro, vous notez, c'est 06. 6. Ok, c'est bon, vous avez pris note? Ah, c'est pour pas qu'on entende dans le live, voilà. Bah, vous m'appelez si besoin. Ou la police. Au revoir. Au revoir. Bon. Il m'a dit qu'ils sont passés par là, mais où est-ce qu'ils seront passés? Je comprends pas. Merci d'ailleurs pour vos sponsors Presky 1.0 et Kai. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Je sais pas, là, je suis perdue. Je sais pas où est-ce qu'ils seraient peut-être passés. Je sais pas. Attendez, peut-être qu'il faut que j'aille en prison. Mais en fait, qui partirait? C'est ça que je comprends pas. Est-ce que Monsieur Pomme partirait avec ma fille, repartirait en prison? Ça m'a l'air d'être pas très très logique.
Ça pour moi. Ah, attention! J'allais me prendre le poteau. Oh, faut que je me concentre quand je conduis parce que là, c'est difficile. Alors, où est-ce que je pourrais aller? Où est-ce que je pourrais aller? Non, mais attention! La voiture, ils conduisent trop vite. Je sais pas si je repars dans le lieu du crime. La scène de crime. Pas vraiment la scène de crime, mais vous m'avez comprise. On s'est compris. Puisqu'en fait, de base, ils étaient ici. Enfin, Monsieur Pomme était là. J'aimerais comprendre le procédé de comment il est parti. Oh non, je peux pas rentrer. Je crois pas que je puisse rentrer. Je pense pas que je puisse rentrer. Je n'ai pas la permission. Faut que je sois un policier. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? J'aimerais là faire ma petite enquête, puisque vous faites votre enquête en train de faire je ne sais quoi. J'essaie de faire ma petite enquête concernant Monsieur Pomme et comment il s'est enfui. Peut-être que ça nous donnera des indices en bas. Attendez, je vais regarder ça. Alors. Oula, vous faites beaucoup de bruit, dis donc. Elle était ici, sa cellule. Elle était où? Ah, je vous entends pas très très bien. Ici. Vous avez un problème? Ici. Ici? D'accord. Donc, il était ici de base, et comment il a fait pour s'enfuir? Ça s'était ouvert, automatiquement. Vous La m'expliquez? La plupart du temps, en fait, ils ne voient pas ce qu'il y a là, et... Nous on peut les voir, sauf que moi je me suis endormi ici. Non, mais c'est votre faute. Mais en fait, c'est votre faute si monsieur Pomme est sorti. Je suis pas compétent. Bah ouais, bah si vous êtes pas compétent, je comprends pas pourquoi vous êtes encore en train de travailler ici en fait. Vous avez fait de vous un criminel, puisque. Enfin, en vrai, c'est pas non plus dramatique, vous avez pas fait exprès. Mais vous avez pas reçu une sanction. Là, ma fille s'est faite capturer un petit peu par de votre faute. Le patron il ne sait pas. D'accord. Bon, Patrick, en fait, il est en train de prendre ses vacances. Bref. Ok, est-ce que vous pouvez... Je vous explique un petit peu. On pourrait aller dans la salle de réunion, comme ça, on fait un petit plan de ce qu'on pourrait faire. D'accord. Parce que là, on est... Vous êtes pas très, très pro, pour le coup, là. Vous avez pas fait un plan sur ce que vous allez faire. Vous êtes juste là, en train de chercher Monsieur Pomme. Ok, alors, allons à la salle de réunion. C'est limite moi qui vais prendre votre métier, puisque vous êtes nouveau, j'ai l'impression. Il est où, votre collègue? Monsieur le collègue, ouais, allez le chercher. Il est très bizarre, ils sont très bizarres ces policiers. Hein. J'espère juste qu'ils ne sont pas des faux policiers, que je ne suis pas en train de parler avec des fausses personnes. Va à la banque. Va à l'Apple Store. Ah, j'avoue. Donnez-moi là les noms dans le chat. Donnez-moi les noms des... Donnez-moi le nom de tous les endroits où vous pensez que Lexa pourrait être. Et moi, je vais faire mon plan où est-ce que je vais partir. Ok, excusez-moi. Désolée, je parlais toute seule. Alors, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Tout d'abord, il faudrait qu'on soit pas du tout ensemble, qu'on ne soit jamais ensemble, à part quand je vous appelle. Quand je vous appelle avec mon émote appel, attendez, je vais essayer de la retrouver en attendant, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous veniez. Faut pas venir avant, parce que j'aurai sûrement pas besoin de vous et on va perdre le temps pour les recherches. Donc vous, de votre côté, vous cherchez Monsieur Pomme. Où est mon émote? Et vous, de votre côté, vous cherchez Monsieur Pomme. Donc, vous allez au nord de la ville et moi, je vais au sud de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, où est-ce qu'on pourrait se délimiter? Où est-ce qu'on pourrait se délimiter? Vous cherchez là où il y a, vous savez, les petits bâtiments. Peut-être faire des perquisitions. Ils sont peut-être cachés chez les gens. On ne sait pas. Donc, sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est que chacun va de son côté, mais on va presque au même endroit. Je sais pas. J'essaie de trouver un plan, mais moi, je suis pas policière de base. Hein. C'est difficile pour moi de trouver un plan. Sinon, on pourrait faire les recherches... Ouais, bah au pire, on fait les recherches séparées. C'est quoi ce bruit, là, en bas? Ah, c'est des policiers, j'ai eu peur. Je crois que c'était Monsieur Pomme. Bah, on fait ça. Chacun va de son côté. Et on s'appelle si on trouve des indices ou quoi. D'accord. Pas de problème. Allez, c'est parti. Ça me donne envie d'éternuer là, tout ce qui est en train de se passer. J'ai perdu ma fille, wesh. Et moi, je croyais que la police, elle allait. Elle allait être rapide là pour le coup, mais là, ça prend beaucoup trop de temps. Là, il l'a capturée, mais pourquoi monsieur Pomme ferait ça? Parce que l'excès les a insultés, je comprends pas. Là, je suis dans le flou. Allez, on prend la voiture. Je crois que je vais faire les perquisitions. Hein. Je crois que je vais aller chez les gens. Alors, déjà, c'est rouge, hop, on s'arrête. On s'arrête. Allez, j'attends. Ah, c'est bon, c'est vert. Allez, oh, mais c'est qui ça? Bonjour. Vous avez ma voiture, vous? Qu'est-ce que vous faites avec ma voiture, vous? Il est bizarre. Bon, j'ai grillé le feu rouge. Oups, j'ai grillé le feu rouge.
Oupsi. Je pense que je vais faire des... Est-ce que vous voulez qu'on fasse des perquisitions? Maintenant, ils ont dit que j'avais le droit de le faire, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Hein. En gros, les perquisitions, c'est d'aller chez les gens pour voir... Enfin, après, faut avoir des bonnes raisons. Je vais pas me taper l'incruste chez les gens comme ça. Eh, là, au point où on en est, je respecte plus les feux. Hein. Je ne respecterai plus les feux. D'abord, vous voulez qu'on aille où? Parce que là, vous vous êtes pas mis d'accord dans le chat. Je veux savoir où vous voulez qu'on aille. Je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on aille à l'Apple Store, parce qu'on va peut-être trouver plus d'informations. Mais je me dis peut-être qu'il faudrait que j'aille chez moi. Peut-être que l'Exa est revenu vite fait. Je sais pas quoi faire. Ok, attendez. Faut qu'on se concentre. À l'Apple Store, je vais aller à l'Apple Store. Il faut que j'aille à l'Apple Store. Allez, on y va. Merci d'ailleurs, je viens de voir quelqu'un qui s'est sponsorisé la chaîne YouTube. Merci beaucoup à Madzi qui vient de se mettre sponsor en tant que Baby Choco. Merci à toi. D'ailleurs, tous les sponsors, n'hésitez pas à m'envoyer votre pseudo Epic Game. Bon, j'ai perdu ma fille, mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de vous demander en ami. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre petit pseudo Epic Game. Eh, mais je sais plus où est l'Apple Store d'ailleurs. Ils ont fait des travaux ou quoi? Ils ont fait des. Mais attention, mais vous êtes des malades, vous! Mais ça va pas, il y a quelqu'un qui se fait écraser comme ça, mais c'est du n'importe quoi. Attendez, je vois qu'il y a l'Apple Store. Y a pas d'informations concernant l'Apple Store? Si. Quoi? Je suis partie à l'hôpital? Ah ah ah, Monsieur Pomme. Eh non, mais lui, là je commence à en avoir marre là. Monsieur Pomme, il croit qu'on rigole avec lui. Il croit vraiment qu'on rigole avec lui, ce criminel. Il vient, il prend ma fille, il l'amène à l'hôpital, il l'amène je ne sais où et il a le temps en plus d'écrire. On va là. Mais attends, mais vous êtes complètement barjo. C'est qui est à l'intérieur? Vous? En plus, pourquoi vous me regardez comme. Ah, votre tête, elle est. Ah, mais c'est normal que c'était comme ça? C'est normal d'un tête qui s'est... Ok, d'accord. Mais vous, franchement, je vais toucher deux mots à Patrick quand il va revenir. Votre responsable, vous écrasez les gens, mais vous allez pas bien. Mais en plus, votre voiture, elle est toute cassée. Vous le connaissez, vous? Oui, c'est mon collègue. C'est votre collègue, mais vous deux, je sais pas si vous, enfin, vraiment vous faites partie de la police, mais là ça va pas du tout. Vous faites sortir Monsieur Pomme. Est-ce que Monsieur Pomme vous a donné de l'argent pour que vous fassiez tout ça? Pour que vous m'écrasiez, pour que vous arrêtiez les recherches, pour que vous freiniez les recherches? Ben, j'ai bien l'impression que vous soyez des policiers. C'est vrai que je suis très compétente hein, au combat. D'accord, ok. Bon, moi je vais aller voir Monsieur Pomme, enfin je vais essayer de chercher. Monsieur Pomme, vous avez vu ce qui est écrit ici? Ça dit qu'il est parti à l'hôpital. Collègue, rendez-vous à l'hôpital. Ok, merci. Merci. Ah, mais ça va pas! Mais c'est... Par contre, là, ça commence vraiment à bien faire. Hein. Ça commence vraiment à bien faire. Je sais pas, ils font partie de quelle police, de quelle brigade, mais là, c'est bon. Ils savent pas conduire, ils savent pas... Non, mais... Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire? Leurs voitures sont toutes cassées. Mon Dieu, bon, c'est rouge. Ok, c'est vert. Bon, ils ont dit à l'hôpital. Hôpital, ok. Je vais à l'hôpital, vite. Vite. Bah attendez! Qu'est-ce qui se passe? C'est Lexé et Monsieur Pomme! Moi j'ai un peu trop peur pour aller récupérer ma fille. Ça c'est pas Lexé et Monsieur Pomme? Mais si c'est Lexé et Monsieur Pomme! Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais Lexé? Monsieur Pomme? Mais monsieur... Non, monsieur Pomme, je reste dans votre voiture. Je ne partirai pas tant que vous m'aurez pas expliqué ce qui est en train de se passer. Non. Si, monsieur Pomme. Descendez. Non, je ne descendrai pas. Oh non. Lexa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Lexa, explique-moi vite. Explique-moi avant qu'il se passe un accident, là. Explique-moi. Il t'a dit quoi? Oh la police. Il t'a dit qu'il allait donner des bonbons. Mais Alexa, faut pas croire quand il y a des personnes. Je t'ai dit quoi, les inconnus, ils ont envie de te donner des bonbons. Tu ne rentres jamais dans leur voiture, tu comprends? Mais là, je sais pas comment on va faire. Mais moi, j'avais peur de lui. Mais t'avais peur de lui? Bah oui, t'as peur de lui. Maintenant, je fais comment, moi, pour descendre? Parce que faut qu'on descende, là, il va jamais nous laisser sortir. Monsieur Pomme, vous pouvez arrêter la voiture? Aïe! Mais attention, mais monsieur Pomme! Mon Dieu, il m'avait dit que c'était pas vrai! Mais ça va pas du tout, On sort de la voiture. Lexa, tu sors. Mais la police, mais faites votre travail! Arrêtez le complice! C'est bon, ils sont en train de. Lexa, vas-y, viens, n'aie pas peur. Lexa, viens. Monsieur Pomme, veuillez descendre Lexa... de votre voiture et vous mettre contre le. Lexa, ne pleure pas, on va rentrer à la maison. On va. T'inquiète pas,
on va rentrer à la maison et tu vas m'expliquer ce qui s'est passé, d'accord, Loulou? Monsieur, d'accord. Non, monsieur. Attention, non, attention, 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 viens par là, tout le temps sur le trottoir, Alexa, je t'ai dit quoi? Mais oui, je t'ai dit. Non, mais vous allez pas bien, monsieur Pam, mais attrapez-le. Monsieur, attendez-vous, s'il vous plaît. Mais, Alexa, tu me suis. Mais tu vas pas aller encore dans sa voiture. Mais c'est, mais. Non, mais il m'avait redit qu'il allait me donner des bonbons. Mais oui, mais je vais t'en donner, moi, des bonbons, mais tu vas pas repartir avec lui. Tout ça pour avoir des bonbons, mais t'es complètement barjo. Bah oui, mais faut pas pleurer, Loulou. Viens, va rentrer à la maison. En plus, si tu veux, on pourra manger du Burger King tout à l'heure, d'accord? Je vois qu'il y a le monsieur. Oui. Tu sais que je t'ai cherché partout. Viens, suis-moi, on va rentrer à la maison. Viens, suis-moi. Ouais, attention, là maintenant, j'ai bien peur. Tu vas avancer devant moi. Tu vas plus passer derrière moi. Allez, t'avances devant moi. Allez, avance, Loulou. Eh, mais plus jamais tu fais ça, d'accord? Plus jamais. Eh, tu m'as fait trop peur. Mais Grosieux, il m'avait dit que c'était pas vrai. Bah voilà, en plus Grosieux, là, t'as vu, il dort chez des copains. Il t'a dit, ne fais pas ça, n'y va pas, et toi, tu y es allé. Non, là, va falloir que tu m'expliques tout ce qui s'est passé. Parce que là, c'est très, très grave. Et d'ailleurs, je sais même pas, faut que je fasse attention à toi, parce qu'il risque probablement de revenir à la maison te capturer. Donc, et pourquoi il voulait te capturer, il te l'a dit? Viens, on va rentrer à la maison. Tu vas aller dans ta chambre, bien au chaud, et tu vas tout m'expliquer, viens. Suis-moi. T'es là, Alexa? Alexa? Ah, ok. Moi, toi, quand je te vois pas à 10 secondes, j'ai peur. Tu le détestes. Oh, bah, ça se comprend. Bah, allez, va dans ton lit et tu m'expliques. Explique-moi ce qui s'est passé. On va bien fermer la porte. Hein. J'ai cru que c'était vrai parce que Grosu, il m'avait dit que ça existait pas. Et du coup, eh ben, moi, j'ai dit que... Moi j'ai cru que c'était vrai, mais comme j'avais peur de la pomme, et ben, j'ai cru et ben, que il allait vraiment me donner des bonbons. Mais il est venu ici à quelle heure à la maison? Parce que moi, quand je me suis levée, je t'avais plus vu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. Il est venu dans la nuit. Oh non, pipi. Je pense que pour ta sécurité, Alexa, je pense qu'il faudrait qu'on aille dans une pièce secrète. Viens. T'es au courant de la pièce secrète de Grosio? T'étais au courant, toi? Non. T'es pas au courant qu'il y a une pièce secrète, Alexa? Ah, je t'avais pas montré, c'est vrai, dans la vie. Est-ce que tu veux vraiment que je te montre quelque chose? Et puisqu'en fait, il y a Monsieur Pomme qui est là et qui veut te capturer, je me dis que ça pourrait être une bonne idée que tu ailles dans cette pièce secrète. Ok, attends, vas-y. Il faut que tu rentres à l'intérieur. Il faut que tu rentres dans l'armoire. N'aie pas peur, Mais pas dans l'armoire. Mais si, c'est normal, t'inquiète pas. Rentre dans l'armoire. Vas-y, saute. En fait, il faut que tu... Limite presque que tu voles dans la map, vas-y. Rentre. Et tu vois où on est? Ah, il y a mon maquillage! C'est lui qui me l'a volé, il est méchant! Mais t'étais au courant de cette selle? Bah oui, c'est pour ça que moi ça m'a choqué. C'est pour ça que je me suis dit que c'est pas possible que tu sois au courant la dernière fois. Parce qu'il y a ton maquillage. T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a, il a pris? Il a volé ton maquillage, il a volé le tableau de Gizmo, il a volé des petits trophées de chez Gizmo, il a volé ta trousse de toilette, quoi. Et il a volé mon collier, il a cassé, regarde mon collier, ce fou. Moi, je croyais que t'étais au courant. Regarde-moi ça, Alexa. Il y a même des poubelles. Ah. Ah, mais il est dégueulasse. Il y a une voiture. T'as vu, il est dégueulasse. Il y a même des petites... des petites peluches. Par contre, t'as vu ça aussi? À ce qui paraît, il voulait fuir avec ses valises. Bon, en tout cas, si t'as envie de rester là, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Il veut partir sans moi, il est méchant. Quoi? Il est méchant. Comment ça, toi aussi, tu veux partir avec lui? Comment ça, Alexa, tu veux fuguer? Non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, Alexa, je pense que tu pourrais rester là, bien de choses, si t'as envie, un peu si même. Il a une Play 5, et puis voilà. Il l'a eu où? Tu l'as pas acheté, la PS5? Bah oui, c'est ça, je pense qu'il l'a volé. La dernière fois, j'en avais parlé, il m'a dit qu'il l'avait volé. D'ailleurs, Alexa, attends, tu peux m'expliquer quelque chose? Parce que j'avais vu que... Décale-toi un petit peu, s'il te plaît, Alexa. En fait, quand on va ici... Quand on va ici, enfin, la dernière fois, quand j'allais ici, j'arrivais à voir, mais là, je crois, avec ce skin-là, je vais pas bien voir, j'arrivais à voir qu'il y avait de l'eau. Est-ce que toi aussi, t'aurais pas... Est-ce que toi aussi, t'aurais pas créé un endroit secret, Alexa? Non. T'es sûre que t'as pas créé un endroit secret? Avec une piscine, un salon de massage, un setup? Non. Non. Pourquoi tu t'enfuis quand je te parle de ça? Non. Rien. Mais, Alexa, Alexa? Tu reviens à l'intérieur. T'es sûre? Tu mens pas, parce que moi, Grosé m'avait dit la dernière fois que t'avais un endroit secret toi aussi. Mais c'est bon, je le déteste. Donc t'as vraiment un endroit secret? Tout. Bah oui, bah encore heureux. Eh, mais vous savez que c'est ma maison, hein. Vous avez pas le droit de faire des endroits secrets comme ça. Les aménager et tout, vous croyez qu'on est où?
Mais ça va pas. Faut m'en prévenir avant. Bon, c'est pas le sujet de ce qui se passe actuellement. Tu vas rentrer à l'intérieur, vas-y, rentre. Vas-y, rentre. Allez, tu peux le faire, loulou. Ok, voilà. Tu restes bien au chaud. Tu restes ici, je vais te laisser seule à la maison. Je sais qu'il faut pas te laisser seule. Mais là, je suis un petit peu obligée. Et moi, t'as rien vu. J'ai mangé les macarons. Les macarons, vas-y, t'as le droit d'en manger. Mais t'en manges que un, parce que sinon ça va être trop. T'en manges un. Mais pourquoi je montre l'arme, ma fille? Du coup, tu peux manger un macaron et un cupcake, pas plus. D'accord, sinon trop de sucre, ça va être pas bon. Moi, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais essayer de voir Monsieur Pomme et essayer de comprendre pourquoi il a fait tout ça. Et attention, parce qu'il risque probablement de revenir. C'est pour ça que je te mets dans cet endroit un petit peu secret. Tu sors pas d'ici tant que tu l'as pas dit. Tu ne sors pas d'ici. Il faut fermer le placard, sinon il va savoir. Oui, mais le problème, c'est que le placard, il l'a cassé, gros, donc je peux pas le refermer. Est-ce que je vais déjà? Donc, okay. Tu fais pas de bêtises, tu restes ici. Tant que je t'ai pas dit de sortir, tu ne sors pas. Et s'il te revient en te voir en lui disant j'ai des bonbons pour toi, tu dis non, ma maman elle donnera déjà des bonbons. Et tu m'appelles, ok? Okay. Non, non, mais toi, parce que ça rentre par là et ça sort par l'autre. T'as bien compris? Tu ne rentres pas dans sa voiture verte avec les criminels. D'ailleurs, ils étaient combien à l'intérieur? J'étais deux. Deux, t'es sûre? Oui. Ok. Oui. Et tu sais leur nom pour qu'on puisse les trouver? Non. Ok, c'est pas grave, t'inquiète, loulou. Ok, tu restes bien là, sage. Pas de bêtises, tu vas pas dans ta pièce secrète. Tu restes bien ici. Ça me donne okay, le truc, là, ce qui se passe. Mais moi, j'ai envie d'aller dans la piscine. J'entends pas, t'as dit quoi? J'ai envie d'aller dans la piscine. Comment ça, dans la piscine? Dans la piscine? Non, rien, en fait. Attends, mais t'es bizarre, la piscine là? Je comprends pas ce que t'as trop mis sur... Non, mais ça, c'est pas... Non, mais attends, qu'on soit bien clair, si t'as une pièce secrète, tu n'y vas pas à l'intérieur. Je t'ai dit quoi, là? Je t'ai dit, tu restes ici. Tu bouges pas. Après, faudra pas. Moi, là, si, je te jure, si je te repère de nouveau, hey, je te. Tant pis, hein. Je laisse la police te trouver. Hein. Ah là, la flemme. Là, vraiment. Là, t'es trop m'exaspérer. Je te dis, cette fois, ne fais pas de bêtises. Ne sors pas d'ici. Si tu sors et tu vas chercher des bonbons, je ne sais où, bah là, c'est toi. D'accord, Alexa? Ok. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Oh, mais c'est vrai, attendez, j'ai une autre idée même. Ce qu'elle pourrait faire, attendez. Ok, elle sait pas que je suis là normalement. Elle sait pas que je suis là. Lexa? Lexa, j'ai une autre idée de ce que tu pourrais faire. Viens, suis-moi. Puisqu'en fait, je me dis, il connaît pas en fait, enfin, il te connaît sous ce skin là. Mais au pire, est-ce que tu peux changer la couleur de tes vêtements? Comme ça, il va pas trop te reconnaître peut-être. S'il va te chercher, mais peut-être des autres vêtements. Bah garde le même skin quoi, mais avec des autres couleurs et tout ça, ça pourrait être peut-être mieux. Je mets une autre pioche. Oh, t'as pas des vêtements roses normalement toi? Bon, comme ça aussi t'es plutôt jolie. Je sais pas. Le chat, est-ce qu'elle met ça ou des vêtements roses? Moi j'aime bien les vêtements roses. Attends, teste avec les vêtements roses. Bah change-toi pour voir. On va voir, on attend. Elle est en train de se changer la petite. On attend. Gros yeux est lui aussi en danger. Je crois pas, hein. Je pense vraiment pas. Parce que lui il est chez ses copains copines, donc ça m'étonnerait. Voilà. Et ça c'est. Les cheveux roses. Waouh, moi j'aime bien comme ça aussi. Je sais pas, vous préférez lequel, le 1 ou le 2? Tapez 2 si vous préférez celui-ci. Bah moi je pense que le 1 tu le mets quand même plutôt souvent. Je pense que le 2, ce serait bien là pour le coup, parce qu'il faut vraiment que tu te caches de Monsieur Pomme. Je vais te demander de remettre le deuxième, désolé. Est-ce que je ressemble? Ah, le premier. Tu ressembles. Tu ressembles, mais ça va, c'est pas trop cramé non plus. C'est pour ça que je te dis, change et remets les vêtements, c'est marron, je pense. Ce sera mieux. Ok. Je pense que là, on va pas te reconnaître du tout, enfin... Quand même un petit peu, mais on peut pas vraiment penser que c'est toi à premier abord. Ah, là c'est bon, là je pense pas qu'on va te cramer. Enfin, j'espère pas en tout cas. T'es prête, loulou? Donc tu restes bien cachée et tu fais pas de bruit. Ah, je crois qu'il y a des gens en bas. Je crois que j'entends du bruit. Vas-y, rentre vite. Mais rentre vite. Vas-y, Lexa, vas-y, tu rentres juste dans l'armoire secrète. Vas-y, mais tu le dis à personne, d'accord? Vas-y. Je crois qu'il y a du bruit, j'entends du bruit, je crois qu'il y a quelqu'un. Je vais sortir mon arme là. Vite, maman. C'est quoi ça? J'entends du bruit. J'espère qu'il y a personne. Il y a quelqu'un?
S'il y a quelqu'un, ma fille n'est pas là, ça ne sert à rien. Elle est dans un endroit secret. Mais pourquoi la porte est ouverte? Pourquoi la porte est ouverte? Lexa, tu restes bien dans l'armoire en haut. D'accord, Lexa, tu restes bien dans l'armoire, bien cachée à l'intérieur, dans l'armoire secrète. Tu le dis à personne. Lexa, tu m'entends? Oui, maman. Ok, ok, c'est bon. Je sais pas, j'espère qu'il y a personne. Mais je sais pas, j'entendais du bruit. Le chat, vous avez aperçu quelqu'un? Peut-être qu'il y a quelqu'un dehors. Attendez, je sais pas. Je sais pas, en plus ils peuvent passer par la fenêtre puisque c'est des fenêtres transparentes. Je sais pas. Je vois personne pour le moment, non. Je vois personne. Vous me dites si vous voyez quelqu'un. Maintenant, là, je vois personne. Bon. Je vais retourner. Je vais essayer de trouver monsieur Pomme maintenant. Allez, j'y vais. Hop, hop, je vais voir les enquêteurs et je vais leur demander s'ils n'ont pas vu des choses par rapport à Alexa. S'ils n'ont pas eu des informations concernant monsieur Pomme. Mais peut-être qu'en fait, monsieur Pomme, là, il s'est fait peut-être... C'est bon, là. Là, monsieur Pomme, c'est Terminado. Peut-être qu'ils l'ont emprisonné. Et que là, on est enfin tranquille. Excusez-moi. Vous voulez rentrer dans ma voiture? Oui, madame. Vous voulez rentrer dans ma voiture? Vous voulez que je vous conduise quelque part? Juste avant, j'ai une question. Enfin, j'aurais une question. Vous avez du coup pu emprisonner monsieur Pomme? Non, on avait réussi à emprisonner son complice, mais il a réussi à s'échapper à encore cause de mes collègues. Non mais à cause d'un de vos collègues, encore une fois, bizarrement. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas payé par monsieur Pomme? Non, en fait, on l'a capturé. On lui a posé des questions, il a pas voulu répondre. Il a été s'échapper, il a capté la série. D'accord, ok. Madame, tout à l'heure, je les ai vus, ils étaient devant la maison de monsieur Pomme et son complice. D'accord, mais moi, vous m'avez pas vu. Enfin, vous avez rien vu autour de chez moi. Parce que j'ai entendu du bruit chez moi dans mon plancher. Donc, je sais pas si c'était lui ou pas, mais je me suis dit que non, puisque vous l'avez emprisonné. Mais là. Oui, madame, vous conduisez. Non, madame. Restez chez vous, madame. Mais je sais qu'il est en train d'essayer de la chercher. Ok, je dois rester chez moi, mais. Mais vous êtes en train de me dire. Mais vous me dites. D'accord, j'y vais. Oui, ils sont en train de me dire. Pas, madame, on reste demain, notre ils sont en train de me dire qu'il faut que j'aille chez moi. Ensuite, ils me disent non, en fait, vous repartez chez vous. Ensuite, ils me disent faut pas partir chez vous. Moi, je comprends pas, je suis censée faire comment? Ok, je vais me garer ici, hop. Ok, je vais rester chez moi. Ah, mais pour te fou encore. Vous faites exprès, là, c'est la quatrième fois. Non, mais c'est qui vient de m'écraser? Non, mais c'est qui vient de m'écraser? C'est la quatrième fois. Oh, ça m'énerve. Bah, je vous laisse. Madame, si vous voulez, nous pouvons surveiller votre maison pour que si on voit monsieur Pomme. Oui, je veux bien. Attendez, j'entends des cris. C'est vous qui criez? Non. Oh non, madame. Attendez, j'entends du bruit. Attention. Alex, comment ça? Comment ça, il y a la pomme? Avec quelqu'un? Où ça? Où c'est, Alexia? Ici? Dans l'endroit secret? Hein? Mais attends, ils sont là! Vite, les policiers, est-ce que vous pouvez l'arrêter? Ils sont venus! Comment ça, t'es en train de te maquiller toi aussi? Je t'ai dit, je te maquille pas à ton âge. Bon, puisque vous faites rien à la police, monsieur Pomme, vous allez me suivre. Monsieur Pomme, vous êtes en attente d'arrestation. Allez! Suivez-nous. Bougez, vous sortez de chez moi, mais c'est un fou lui. J'aimerais savoir un truc. Arrêtez, suivez-nous. Monsieur Pomme, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ça à ma fille? J'aimerais savoir pourquoi. Mais je voulais faire un truc. Vous vouliez faire quoi? Mais je voulais faire un truc. Vous êtes bizarre. Bref, allez, descendez. Les policiers. D'accord. Attendez, chaque chose en son temps. Les policiers, venez avec moi. Monsieur Pomme, vous descendez, vous attendez devant la voiture. Les policiers, j'aimerais vous dire quelque chose, en fait. Venez. Je reste à côté. D'accord. Vous pouvez venir, les autres policiers. Attendez, pour la sécurité, on met les menottes. Ouais, mettez les menottes, comme ça, de toute façon, même s'ils s'enfuient, ils pourront pas faire grand-chose. Ok. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, là, c'est qu'on... Faudrait vraiment qu'on fasse, faudrait qu'on rentre au commissariat, qu'on aille vraiment... les interroger sur ce qu'ils ont fait, parce que ma fille elle est traumatisée là, elle va plus trop bien du tout, donc il faudrait même qu'elle ait peut-être un suivi psychologique, parce que là ça va la traumatiser, je pense que c'est ce qui lui arrivait. Madame, ne vous inquiétez pas, nous avons la situation sous contrôle. Pour les enfants. Enfin, je crois. Oui, nous avons la situation sous contrôle. Vous êtes sûr, vous avez la situation sous contrôle? Vous êtes vraiment sûr? Oui. sûr
Ok. Dans le Polygon, nous avons une salle exprès pour les enfants pour qu'ils s'occupent quand leurs parents discutent avec eux. Oh non, ok, d'accord. Bah, Alexa, je pense qu'on va retourner. Est-ce que vous pouvez venir aussi deux secondes, les policiers? J'aimerais vous montrer quelque chose chez moi, parce que j'ai un problème. En fait, c'est ici. Rentrez dans l'armoire, hein. Ouais, c'est une pièce secrète. En fait, j'aimerais savoir, parce que je suis pas au courant, mais je crois qu'il y a un endroit aussi secret à côté. Il y a une piscine à côté. Et je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Maman ! Oui, quoi, Loulou ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense pas que ce soit une piscine. Je sais pas. Si, on va toucher. Non, mais dans tous les cas, je vais ramener des experts pour me montrer s'il se passe pas quelque chose à l'intérieur dans ta pièce secrète, là. Parce que... C'est bizarre chez vous, madame. Ouais, je sais pas, il y a des endroits bizarres. Bon, d'ailleurs, attendez, mais il y a aucun policier avec Monsieur Pomme et les autres ? Non, mais... Vous êtes... Mais vous êtes fous ! Vous les avez... Mais vous ils se sont échappés ! Ils se sont quoi ? Non, mais là, c'est vous faites exprès. Mais au moins une personne, en fait. Il y a au moins une personne avec. Oh mon dieu, Alexa, viens, on va rentrer à la maison. Moi, je reste avec toi, c'est bon. Bougez plus. Moi, je vais rester avec toi. Viens, tu viens, on va monter dans la chambre. Bon, vous deux, on va vous emmener au Comico. Madame, vous voulez qu'on surveille votre maison ? Vous surveillez notre maison ? Oui, je veux bien qu'il y ait une personne, vous, que vous surveillez ma maison, ça sera plutôt bien. Oui, le reste, c'est bon. Personnellement. Vous me dites si c'est pas quoi que ce soit. Bah, par contre, si vous pouvez arrêter de m'attendre de rentrer chez moi, ce sera intéressant. Vous toquez si vous voulez rentrer. Voilà. Je veux voir ma voiture à la fin, d'accord hein. Là, vous prenez ma voiture et tout, mais... Bref. Bon, Alexa, tu ne fais plus de bêtises. Mais toi aussi, qu'est-ce qui t'a pris ? Explique-moi. Attends, viens, on va rentrer dans la chambre. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Tu peux faire une soirée pyjama après, s'il te plaît ? Non, attends, tu te moques de moi, là. Attends, profite. Tu profites de la situation pour me demander de faire une soirée pyjama, toi. Et tu... Ouais. Il se passe 40 milliards de choses et tu me demandes d'aller dans... faire une soirée pyjama. Mais t'es des rigolotes. Mmh. Merci beaucoup. D'ailleurs, faut remercier, il y a Théo et Maïs qui se sont sponsorisés à la chaîne YouTube. Ah, c'est gentil, ça. Merci beaucoup, vous deux. Allez, tu viens, tu rentres dans la... Va dans ton lit. Je crois que tu vas te reposer. Explique-moi ce qui s'est passé, là. Ils sont venus chez toi ? Ils sont venus... Comment ils ont fait pour savoir dans la pièce secrète ? Ben, je sais pas, moi. Oh, non. Loulou. Je crois qu'ils sont rentrés par le toit. Ils ont réussi. Par où ? Le toit. Mais comment ils ont fait ? Il n'y a pas d'échelle ? Comment ils ont pu... Peut-être là, je crois. Attends. Mais... Ah ! Oh là là ! Non, c'est trop dangereux, Alexa. C'est trop dangereux. Tu peux tomber et te faire mal. Tu veux faire quoi, là ? Tu veux te reposer, Loulou ? Tu veux que je te cherche un petit Burger King en attendant pour que tu te reposes ? Tu veux ? Est-ce que tu veux ? Je crois que... J'ai vu une soirée pyjama entre mère et fille. Oh, ok, d'accord, on va faire une soirée pyjama pendant qu'il cherche Monsieur Pomme, mais ça va faire peur. Mais si tu veux, on peut faire ça. Bah, je te laisse aller dans la chambre, tu te mets en pyjama, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à manger. Je vais chercher des burgers, tout ça. D'accord ? On fait ça ? Vas-y. Je veux venir avec toi. Tu veux venir avec moi ? Est-ce que le chat, elle vient avec moi ? Parce que moi, j'avoue que c'est trop pas prudent de la laisser ici. Bah, je pense que oui. Si tu veux, tu viens avec moi, Loulou. Tu veux ? Ok. Par contre, tu me tiens la main. Bah, après, j'ai un petit peu une arme, donc ça risque d'être difficile. Donc bon. Allez, on avance. Hop. Moi, je veux manger Burger King. Tu veux manger Burger King ? Oh. Ok, on y va. Hop. Merci beaucoup aussi, Chao, c'est Grenouille qui s'est sponsorisé à la chaîne YouTube. Je peux avoir une dédicace. Bah oui, pas de soucis. Allez, je vais juste leur dire à la police où on va. Excusez-moi. Monsieur, je vais aller au Burger King avec ma fille. En fait, ma fille aimerait faire une soirée pyjama pour la déstresser un petit peu, pour qu'elle soit un peu mieux, un peu plus en forme. Oui, pas de problème. Donc on va aller au Burger King acheter un burger. Maintenant, vous savez qu'on est là. Donc ouais, n'hésitez pas à bien surveiller les lieux au cas où s'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Okay. Allez, Alexa, tu viens, on va faire un petit Burger King. Miam, miam, miam. Allez, oui. Tu rentres. Rentre. C'est trop bon. Voilà. Mets-toi de l'autre côté. Peut-être. Non, bah non, pas ici. T'as 4 ans, Alexa. Voilà. Comme ça, j'ai un œil sur toi. Il m'a traumatisé, là, monsieur Pomme. Mais c'est trop bizarre ce qu'il a fait. Hein. C'est vrai que c'est trop bizarre. Bon, là, il faut que je conduise correctement pour toi. Parce que sinon... Hop, ok, maintenant on tourne. Pas sur le trottoir, Choco, pas sur le trottoir. Burger King, tu vas manger du burger. Oui. Par contre, tu restes à côté de moi, hein. Tu pars pas n'importe où. Allez, hop. Oui.
Hop. Oh non, on avance. Merci beaucoup, Aïssa Gaming, pour tes 2 euros. Tu peux m'ajouter ces... Oui, il n'y a pas de souci, je t'ajoute. Alexa, reste dans la voiture. Non, reste dans la voiture, je vais l'ajouter en ami de seconde. Reste dans la voiture, Dani, Aïssa. C'est moi qui conduis. Non, Alexa, tu sors. Voilà, ok, sors de la voiture maintenant. On y va. On va acheter un burger. Allez, tu viens. Allez. Attention, il y a la police. Viens. Ah, attention. Qu'est-ce qu'ils font? Suis-moi, Alexa. Madame. Oui. On va bientôt les interroger, monsieur Pam et son complice. Juste pour vous prévenir. Ah, vous les avez capturés? Oui. D'accord, c'est super, bah merci. Bah, je viendrai juste après, là. On va juste faire une petite soirée avec ma fille et on arrive. Enfin, une petite journée et on arrive, d'accord? Allez, viens. Alexa, viens. Alors. On va prendre un petit Burger King. Bonjour! Waouh, vous avez des pioches trop... J'ai trop faim maintenant, vous me donnez faim, en fait, avec vos pioches. Vous voulez quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir le menu? Ah, il y a le menu juste ici. Alexa, qu'est-ce que tu veux regarder le menu là-haut là? Moi, je veux un King Junior. Tu veux un quoi? King Junior. Un quoi? King Junior. Ok, d'accord. Calme-toi, Alexa. Moi, je connais pas ces noms-là. Moi, de base, je mange pas Burger King. Je mange tout le temps McDo. Quick, vite fait. Bon, merci beaucoup, Issa Gaming aussi qui vient de se sponsoriser sur YouTube. Tu veux quoi? Un bleuvage dedans. Tu veux manger gros yeux? Tu veux manger ton frère? Un bleuvage! Bah, un bleuvage, c'est violet. Ok, d'accord. Je croyais que c'était un bleuvageon. Calme-toi, Alexa. Bah, je pense que ça sera tout. Moi, je vais vous prendre. Je sais pas, moi, je connais juste le McFirst poisson McDo, mais je connais pas trop Burger King. C'est quoi l'équivalent de McFirst poisson, Alexa? Je crois que c'est. C'est poisson, je crois, je sais pas. C'est poisson, t'inquiète, c'est pas grave. Bah, je vais vous prendre un... bah non, ça veut dire que si je mange un McFirst poisson, je vais devoir manger gros yeux. Ah bah oui. C'est poisson. Ah non, je vais pas manger gros yeux, du coup. Je vais vous prendre, je sais pas, ce que vous voulez. Passez-moi ce que vous voulez, quelque chose de bon, en tout cas. Et okay. Ça sera tout. Ouais, bah, moi et à fond, on va aller au parc en attendant que vous fassiez la commande. Attendez, j'ai une petite surprise pour vous. Oh. Vous pouvez tout choisir ce que vous voulez. On a le droit de prendre ce qu'on veut. Attendez, parce que ma fille s'est faite capturer tout à l'heure. Kidnappée. Oui. Oh, Alexa, vas-y. Alexa, du coup, prends plein de choses. Hein. Vas-y, hey, remplis-toi. Moi, tu veux un double Whopper. Par contre, il faudrait que tu manges tout, hein, pas de gâchis. Non, on va pas avec les inconnus, attendez, parce que là, peut-être que là, c'est Monsieur Pomme qui est caché en lui, on sait pas. Vous pouvez y aller, vous deux, y aller là. Là? Vous êtes sûr? C'est pas Monsieur Pomme? Non. C'est bizarre. Bien, suis-moi, Alex, reste à côté. De toute façon, j'ai une arme, donc attention à vous. Mais il a pas la voix que Monsieur Pomme. Oh! Il nous ramène ici! Là, on a le temps de prendre tout ce qu'on veut! Oui. Alexa, tu peux te faire des petites frites ici si t'as envie de te prendre des grosses barquettes de frites. Tu peux, vas-y, prends. Je veux des frites au cheddar. Pourquoi j'entends des klaxons? C'est bizarre. C'est quoi ça? Merci beaucoup pour le sponsor BHI. Ah oui, t'as écrit ton pseudo, c'est trop difficile de lire, mais merci beaucoup si tu veux toi aussi m'envoyer ton pseudo Epic Game, n'hésite pas. Alexa, t'as pris ce que tu voulais? Oui, ok, allez. Tu viens, on y va. Oui, et pour vous protéger votre fille, prenez ça. Oh, merci. Merci de pour rien. La pièce. Ça fait plaisir. Allez, Alex. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est trop gentil ici. J'ai jamais vu ça. Un Burger King qui donne gratuitement. C'est choquant. Bon, allez, tu veux. Bonjour, maman. Tu veux qu'on mange au parc? Oui. Ok, par contre, faut faire attention encore une fois. Attention que monsieur pas mal. On traverse, allez. C'est vert pour nous. C'est vert, allez, vite. L'entrée est par là, viens. On va entrer. Ah, par ici. Hop. Tu veux manger ton petit Burger King ici? Viens. Oui. On peut se poser où? On va se poser juste ici. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais, Alexa? Non, rien. C'est quoi ça? C'était quoi ça? J'ai vu quelqu'un? Non, rien. J'ai vu quelque chose passer. C'est qui ça? Mais vous êtes qui?
Mais vous êtes le policier, qu'est-ce que vous faites là? Il nous espionne, il est bizarre. On a une garde rapprochée. Non, mais pas dans le buisson, vous êtes trop louche, on dirait que ce sont des policiers corrompus. Est-ce qu'on peut vivre avec ma fille là maintenant, c'est bon? Montrez votre badge de policier. J'avoue. Moi, je vous crois pas. J'avoue, montrez votre badge de policier, vous. Montrez-moi votre badge de policier. Ah, il a un badge, ouais, ici. Bon, viens Alexa, viens, on va manger. Faire à manger. Pas... Ah, mais... Non, mais il se moque de moi, lui, il fait exprès. Il m'écrase. Oh, mais c'est un fou. Ah, mais lui, il faut pas partir de la police, il m'écrase et tout, c'est lui. Viens Alexa, viens, on va rentrer à la maison, on va pas rester ici, je suis désolée Alexa, papa. Madame, c'est mon collègue, ce n'est pas moi qui vous ai écrasé. Oui, c'est ça, d'accord, c'est ça. Allez. Si madame, c'est... Alexa, pleure. Non, Alexa, pleure pas, vas-y, viens, c'est pas grave. Oh, Coron est sur Fortnite, donc ça va, j'ai pas eu trop mal. Viens, on rentre, viens Alexa. Merci beaucoup, Benji. Benji, GMT qui vient d'envoyer 20 euros, yo, t'es la meilleure youtubeuse. Oh, c'est trop gentil. Alexa, fais une petite émote quand même pour Benji, il a quand même envoyé 20 euros. Il est trop gentil. T'es triste quand même. Oh. Mais merci beaucoup pour ton soutien. Mais c'est toi, vous êtes trop gentil, les abonnés. Oh, excuse-moi. Qu'est-ce que tu me fais là, Alex? Mollo. Bon, tu veux vraiment qu'on reste ici? Mais ils sont bizarres. J'ai l'impression que ce sont des policiers corrompus. Moi, je sais pas ce que tu veux faire. Je vais rester ici. Ok, vas-y, viens, on va rester ici. Bon, on va se mettre loin, alors. Lexa, t'es là. Ok, d'accord, j'ai eu peur. Viens, mange ton petit truc, et bon, voilà, comme ça, t'es tranquille, on rentre vite à la maison. Allez, mange. Merci encore, et si tu veux, ouais, m'envoyer ton pseudo Epic Game BG et Zo30, n'hésitez pas. Mon nom, c'est Zozo. Ok, bah, en attendant que Lexa est en train de manger, moi, je vais t'ajouter un ami, Zo30, hop. Je t'ajoute. Ah, j'arrive pas à te trouver. J'arrive pas à te trouver, je crois que t'as mal écrit ton pseudo. Alors, Alexia, c'est bon, t'as fini de manger, vite, comme ça on rentre. Oui, mais j'ai pas fini. Tu finiras à la maison, en vrai, là, c'est trop risqué, là, pour qu'on reste ici. Mais je veux plus, j'en ai marre de manger. T'en veux plus? Oui. T'es sûre? T'as fait hyper vite. Oui. Vite, viens voir la maison. Ok, d'accord, allez, on rentre. On rentre. Mais ils sont bizarres dans cette ville, en vrai. Hein. Oh là là. Allez. Hop. On rentre. Tu sais où j'ai posé ma voiture encore? J'ai oublié. Non, je sais pas. Tu sais pas? J'ai oublié. Voiture. Ah mais oui, au Burger King. Dans le parking du Burger King. Attends, viens, on va traverser. Attends, c'est rouge. Oh, t'as vu? On allait se faire écraser. Vas-y, viens, vite. Traverse. C'est pas fait. Ils sont fous. Eh oui. C'est des malades. Allez, viens, on va sauter. Hop, c'est parti. Hop, et hop. Allez, tu viens? C'est parti. Oh, et merci beaucoup, Benji. Non, Alexa, tu te mets pas devant la voiture comme ça. Benji qui renvoie 20 euros. Non, Alexa, on refait une émote. Viens, on va faire une émote. Moi, je vais faire la meilleure émote. Attends. Ah non, pas celle-ci. La meilleure émote, c'est laquelle? C'est celle-ci. J'arrive pas à trouver une. À tous les policiers, monsieur Pomme s'est échappé. La petite regarde, bam, ouais. C'est quoi comme jeu? Je suis nouveau. C'est Fortnite. On est en train de jouer à Fortnite là. Bah, RP quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ton soutien, ça fait trop plaisir. Plein de GG dans le chat. Attends, quoi? Attends, tu viens d'entendre ce qu'il a dit en fait? Il a dit à tous les policiers, monsieur Pomme vient de s'échapper. Non. Il a abattu un de nos camarades. Quoi? Il a quoi? Et il a aussi récolté 7900 euros. Voilà. Hein? Alexa, on rentre. Vite. Alexa, on rentre immédiatement. Alexa, tu rentres tout de suite. Allez. Faut pas qu'on reste ici. Au revoir, monsieur. Vous êtes trop gentil. Au revoir. Passez une bonne journée. Il était trop gentil. Alors, faut vraiment qu'on rentre. Oh non. Ah! Je l'ai rentré dans le Burger King. Ça va pas. Mais pourquoi il fait tout ça, monsieur Pomme? Je comprends pas. Tout ça pour te capturer, mais pourquoi il veut te capturer? Je comprendrai jamais. Ok, mais... Il est bizarre, lui. Il est bizarre, ouais, mais je sais pas. Arrêtez-vous.
que faites-vous ici? C'est qui ça vient, Alex? C'est qui madame, ça? Madame, rentrez vite chez vous, on m'a. Mais c'est qui? Qui êtes-vous, monsieur? Mais c'est qui lui? Bah lui, bonjour. Il est devant votre maison depuis avant, je sais pas ce qu'il veut, mais il voulait vous parler. Vous, oui, vous êtes qui vous? Vous oui, êtes qui? Je suis Transit. D'accord. Et donc? Et j'ai vu monsieur Pomme frapper une petite fille avec des yeux rouges. Hein? Mais c'est pas possible. Ma fille. Elle est où votre fille? Ma fille, elle est là. Elle est là, ma fille. Ma fille, elle est où? Attendez. Madame, je crois que monsieur Pomme vient quoi de capturer votre fille. Non. Ma fille, elle est rentrée. Non, ma fille, elle est rentrée. Attendez, mais non. Je dis des bêtises, vous dites des sottises. Madame, nous allons déployer toutes nos troupes. Mais non, mais pourquoi vous dites ma fille, elle s'est faite capturer encore? Arrêtez de dire des bêtises, elle est là. Elle est juste ici. Elle est dans sa chambre. Non, elle est pas dans sa... Elle est où? Non, elle est dans la pièce secrète. Attendez, je crois que je dois me tromper. Lexa? Lexa? Comment ça? Oh non. C'est pas possible. Attendez, je crois qu'elle est dans le setup. Elle est forcément dans le setup. C'est pas possible, quelqu'un l'a pas encore kidnappée. Elle est force... Non. Elle est pas dans le setup. Elle regarde la télévision. C'est sûr qu'elle regarde la télévision. C'est sûr. Peut-être elle est dans le jardin, elle est chez Gizmo. Elle peut pas être encore kidnappée. Elle était avec moi il y a même pas deux secondes. Non, à toutes les unités. Non, vous êtes en train de dire des bêtises. Je sais que vous mentez, je sais que vous me faites un prank, arrêtez. Je sais qu'elle est là. Mais elle est où? J'ai vraiment vu une pomme avec une petite fille et ils étaient en train de partir vers la. Mais non, mais j'ai encore perdu ma fille. Mais aussi, pourquoi vous faites pas votre taf? Non, mais vous deux, vous faites pas votre taf correctement. Vous m'avez écrasé deux fois dans moins d'une journée. Vous m'avez fait réapparaître. Et pour, en plus, vous croyez que je rigole avec vous, là, en fait. Désolé, madame. Bah, bref. Venez pour réparer votre blessure. Oui, c'est ça. Je veux pas vous prendre votre argent bizarre. En tout cas... Bah, je sais pas, faites vos taf, trouvez monsieur Pomme, mettez-le en prison, je sais pas, monsieur Patrick n'est pas là, votre directeur n'est pas là, et vous faites n'importe quoi. J'ai pas besoin de vous, je vais chercher ma fille. C'est bon. Bon, on y va, on va aller la chercher. Ça suffit. Il y a un moment donné, faut vraiment arrêter d'abuser. Hein. Faut vraiment arrêter d'exagérer. Ah, attention, vous savez quoi, c'est bon. Je vais même plus avoir besoin d'aide de la police. J'aime plus de demander de l'aide à eux. Bon, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, s'il se passe de choses, appelez la police directement. Mais sur Fortnite, dans cette ville, c'est vraiment n'importe quoi. Attention, hop. Mais je vais faire le tour de la ville s'il le faut. S'il le faut, je vais faire le tour de la ville, je vais les trouver. Merci beaucoup, The30, pour tes donations et pour tes 2€, c'est trop gentil. Un max de GG dans le chat, là, d'ailleurs, pour leur... Pour donation. Attends, je t'ajoute un ami, loulou. C'est... Ah ! Ma voiture ! Oh. Je viens de me prendre la voiture. J'ai toujours pas réussi à trouver ton pseudo. De toute façon, les sponsors, les personnes qui ont leur pseudo en vert, en attendant là que je trouve ma fille, allez sous une de mes vidéos et vous commentez votre pseudo Epic Game. Comme ça, en fait, moi, j'ai un chat qui permet de voir les personnes... En gros, ça me permet de voir les sponsors et de lire les commentaires des sponsors plus rapidement. En gros, ça me les met dans une catégorie. Oh, non ! En fait, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je vous explique ce que je voulais faire pour la voiture, là. En fait, je voulais aller sur le toit parce que j'en suis sûre que ma fille, elle est à l'intérieur. Le problème, là, je crois que c'est que je suis bloquée. Oh non, j'ai fait quoi avec ma voiture ? Je peux pas faire marche arrière. Mais, c'est qui, ça ? C'est qui ? C'est qui est dans ma voiture depuis tout à l'heure ? Mais c'est qui ça? C'est qui est dans ma voiture là? Monsieur de Burger King. Mais vous faites quoi dans ma voiture? Je vous aide à trouver votre fille. Hein? Je vous aide à trouver votre fille. Non, vous m'avez pas aidé à trouver votre. Depuis tout à l'heure, vous êtes là, vous m'entendez parler, vous dites rien. Je vous ai même pas vu, mais vous rentrez dans mon intimité. Vous avez besoin d'aide avec votre voiture? Oui, j'ai besoin d'aide avec ma voiture. Attendez, je vais sortir d'ici tout de suite. Mais vous savez ce qui? Mais vous êtes trop bizarre. Arrêtez de venir avec moi. Lui, il est venu dans ma voiture alors que depuis tout à l'heure, je croyais qu'il était pas là. Et je fais attention et là, je vois qu'il y a quelqu'un. Mais c'est un fou, votre pote. Vous appelez comment, vous? Et pourquoi faites une émoi de vous? Vous appelez comment? Burger King. Je m'appelle Joker. Ok, Joker, ouais, je m'en fais. Oh, la vie, son bise. Oh, non, mais vous rentrez pas dans ma voiture. Attendez, je m'enfuis vite. Mais c'est des malades.
C'est des gros timbrés, mais j'ai jamais. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Quelqu'un qui rentre dans ma voiture. Mais c'est choquant. Bon, je sais pas où est-ce que je pourrais aller en vrai là. Où est-ce que ma fille pourrait être? Mais sa voiture, elle est verte normalement. Sa voiture, elle est verte, pimpante. Je devrais voir la voiture. Je devrais la trouver. Où est-elle? Où est-elle? Oh, attendez, j'ai une idée. Peut-être qu'il l'a capturé chez Pegasus. Attendez. En gros, si vous savez pas c'est qui, c'est dans la maison de Fiepam. À chaque fois, il m'a montré la maison de ce gars. Et à chaque fois, il m'a montré. À chaque fois, il m'a montré chez lui. Il allait tout le temps chez Pegasus, en gros. Il allait tout le temps chez lui. Parce qu'il l'avait capturé lui aussi, ou je sais pas quoi. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller, je sais pas. Attendez, peut-être qu'il a laissé un mot en face. Je sais pas. Oh! Quoi? Je suis là où il y a des mystères sur la map. Hein? Je sais bien ce que je pensais. Je suis là où il y a des mystères sur la map, Monsieur Pomme. Il y a des mystères sur la map. Peut-être que dans le quartier où il me montrait à chaque fois, le quartier flippant un petit peu. Peut-être qu'il est là-bas, je crois. Je vais même pas dire à la police que j'ai trouvé encore un indice. Parce que si je leur dis, ils vont encore essayer de me, je sais pas, trouver pas ma fille. J'ai l'impression que ce sont vraiment des policiers corrompus, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui sont payés par Monsieur Pomme pour que qu'il s'enfuit à chaque fois. Parce que là, pour s'enfuir 4 fois de suite, faut arrêter à un moment donné. Là où il y a des mystères sur la map. Le chat, est-ce que vous savez c'est où? Là où il y a des mystères sur la map. Je suis là où il y a des mystères. Je suis là où il y a des mystères sur la map. Je pense que c'est là, hein. Je sais pas si je peux me garer ici. Ah, attention! Je vais me garer là, tant pis. Là où il y a des mystères sur la map. Il fait des énigmes, il m'énerve en fait. J'ai pas son temps pour ces énigmes. Moi je veux retrouver ma fille. Là où il y a les... Mais où est-ce... Oh! Mais qu'est-ce que... Mais hein? Mais c'est qui lui encore? C'est qui? C'est qui lui? Vous êtes qui? C'est la policière. Je fais mon enquête, madame. Oui, j'ai fait mon enquête. Je cherche des indices. Monsieur Pomme restait à peu près ici. D'accord, mais en fait, vous êtes bizarre d'être là quand même. Mais en fait, je cherche un endroit mystérieux sur la map. C'est où? Un endroit mystérieux? Je ne sais pas. Je ne connais pas bien la ville. Surtout ces endroits. Est-ce qu'il y a une maison rouge par hasard? Une maison rouge? Je ne sais pas vraiment. Attendez, moi je vais essayer de faire mes recherches. Je vais essayer de faire mes recherches. Je crois que normalement il y a un endroit bizarre sur la map qui me semble, si je dis pas de bêtises. Bon, par contre, je vais vite m'en aller avant qu'il rentre dans ma voiture. Bip bip, j'aimerais bien passer là, poussez-vous. Mais sors de ma voiture! Non, mais c'est pas possible qu'il bouge de ma voiture lui par contre. Arrêtez de rentrer dans ma voiture! Ça va pas. C'est des malades, ils viennent, ils rentrent dans mes voitures. Ils font des choses bizarres. Ils sont louches. Bon. Le titre, si vous trouvez une maison rouge, vous me dites stop, d'accord? Si vous trouvez une maison rouge là, vous me dites stop. Parce que normalement, il y a une maison rouge qui est très étrange. C'est normalement cette maison là où ils sont censés être. Mais je sais pas où ils sont. La maison rouge. Où est la maison rouge? Je trouve pas la maison rouge. C'est quoi? C'est un Burger King? Non, c'est pas la maison rouge. C'est où la maison rouge? Où est la maison rouge? Ça non plus. Bah non, ça non plus. Je trouve pas. Mais moi je veux juste récupérer ma fille et c'est tout. Je comprends pas. Je veux juste ma fille. Stop, c'est là. Là, là, devant toi. Devant. Là-bas? Vous êtes en train de me dire là-bas? Oh, là-bas! Ah oui, vous avez des bons yeux. Attendez, je vais y aller. C'est ici, vous êtes en train de me dire? Là. Ok, attendez, je vais y aller. Hop, hop, hop. Je vais me garer là. Vous êtes sûr que c'est ici? Parce que c'est une maison rouge, mais ça, c'est le théâtre. C'est là où on fait tout le temps de la musique. Il a dit qu'il était devant, là. Devant cet endroit. Code pour entrer. J'avais vu la dernière fois, il faisait un code. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux rentrer? Ah non, je peux pas rentrer. Recommencer le code, peut-être c'était 2, 3, 1, 4. Non, je peux toujours pas rentrer. Je me souviens pas du code. Il faut un code secret. Ah non, je pense pas que ce soit là finalement.
pas sûre. Vous êtes sûr? Non, je pense pas que le chat ce soit ici. Je crois que c'est un endroit. Parce que là, c'est pas un endroit mystérieux. Tout le monde le connaît, cet endroit. Je crois que c'est juste. Là, on s'est trompé d'endroit, genre. Je pense qu'on s'est vraiment trompé d'endroit. Je vais demander à quelqu'un sinon qui habite. Ou bien qui travaille à côté. Là, je crois qu'on se trompe d'endroit. Peut-être à côté d'une forêt. Je pense pas que ce soit là. Où est ma voiture? Je l'ai garée ou encore? J'ai garé ou encore ma voiture? Allez, là-bas, ma voiture. On est... Ouais, tout le monde dit que... Ouais, tout le monde pense qu'on s'est trompé. On va partir. Hop, allez. Et hop, là. On va essayer de retrouver l'endroit. Ah, il y a un policier. Il y a un policier juste ici. Je vais sortir de la voiture pour lui parler. Excusez-moi. Excusez-moi, vous? Oui, bonjour. Bonjour, je cherche une... Vous êtes en train de continuer les recherches, j'imagine. Moi aussi, de mon côté, je fais mes recherches. Mais je suis en train actuellement de chercher, par hasard, je sais pas si vous l'auriez vu, je recherche ma fille et un endroit secret rouge, une maison rouge. Est-ce que vous savez où est la maison rouge? Oui, c'est celle-ci. Vous êtes sûr que c'est celle-ci? Oui. Ah bon? Attendez, je vois qu'il y a monsieur... C'est quoi? C'est qui là-bas? Je vois qu'il y a monsieur Pomme là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne quelque chose, j'ai l'impression. Il est en train de piocher. Il m'attrape. Je vois que ma fille est en train de la piocher. Mais vite! Mais vite! Faut courir plus vite. On est en train de le courser vite. Monsieur Pomme, arrêtez-vous s'il vous plaît. Je veux juste récupérer ma fille. Monsieur Pomme! Mais attendez, ça peut être trop dangereux. Ça peut être trop dangereux. Les policiers, attendez. Il peut y avoir des pièges, des choses comme ça. Attendez, on va attendre. On va attendre ici. Mais pourquoi ma petite... madame, je pense qu'on devrait aller à l'assaut pour rentrer directement dedans. Non, parce qu'on sait pas peut-être qu'il cache des armes à l'intérieur. Et il peut peut-être... Oui, mais il faut être stratégique, on peut pas se permettre là. Et là, il garde en otage ma fille. Vous imaginez, il lui met une balle ou quoi, on sait pas. Moi, j'ai pas envie que ma fille meure aujourd'hui. Non. Bon, c'est vraiment qu'il va tirer sur votre fille. Bah, il peut être capable. Enfin, après, je pense pas que ce soit le cas. Au pire, ce que je vais faire, c'est qu'attendez. Je vais rentrer gentiment. Restez là, restez en bas. Vous descendez avant qu'il fasse quelque chose à ma fille. Descendez. Pas de problème. Je vais aller gentiment et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je vais essayer de récupérer ma fille en lui parlant gentiment et tranquillement. S'il vous plaît, ne faites pas de choses stupides. Vous restez bien ici et moi, tant que j'ai pas besoin d'aide, je vous appelle pas. Si j'ai besoin d'aide, je vous appelle. De toute façon, j'ai des armes, d'accord? Okay, ça score son bien. Vous faites des patrouilles, vous tournez un rond et vous surveillez. Merci. Je pense que ça pourrait être mieux de faire ça. Parce que là. Ok, je vais aller là, à l'intérieur. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, je veux juste rentrer là librement. Je vous en supplie, je ne veux rien. Tuez pas ma fille, ne me tuez pas, je suis gentil. Qu'est-ce que là, je dis juste un truc. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire, ma fille, s'il vous plaît, faites-lui rien. Alexa, je voulais te dire un truc. Tu sais pourquoi je t'ai pris? Non. Je voulais te dire pardon pour tout ce que je t'avais fait toucher les écailles. C'est oui, pour mais Alexa, t'es méchant. Pourquoi tu me kidnappes? Je veux ça pour me pardonner. Hein? Vous voulez faire quoi? Je comprends pas ce qui se passe là. Je voulais me pardonner, Alexa, dans un coin secret. Dans un coin secret, mais pour le coup, là, c'est pas la bonne stratégie à faire, puisque la police vous recherche, vous la capturez plusieurs fois, et c'est ma fille, quand même. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Et c'est quoi cet endroit secret, du coup? Mais moi, je voulais rester avec ma maman. Mais oui, c'est vous savez que c'est quand même un kidnapping, ce que vous avez fait. Vous lui avez pas demandé son autorisation, et vous l'avez attrapé. Oui, mais c'était pour la pardonner de tout ce que j'avais fait. Oui, mais il fallait lui demander avant, il fallait demander peut-être une sortie... Pour sortir, je sais pas, une sortie aux policiers, histoire qu'on puisse y sortir et que tout se passe bien. Mais là, oui. C'est mal passé, vous avez volé ma fille, quoi. Vous l'avez capturée, moi j'ai cru que vous alliez la tuer. Et c'est pour faire quoi, ça? C'est pour qu'elle puisse jouer? Ah, c'est un endroit secret. Et attends, viens, ma petite Lexa. Comment ça, vous voulez lui donner quoi, là, par contre? Commencez pas trop à faire des choses bizarres, je... Une pièce pour qu'elle puisse acheter des trucs au magasin. Oh. Tu les as trouvées où, ces pièces? J'avoue, il les a trouvées où? Il m'est resté dans mon porte-monnaie. Et comment vous les avez trouvés, cet argent? C'est à l'hôpital. C'était ma dernière prime que j'ai qui me restait à l'hôpital. Ouais, Alexa, garde pas cet argent. Bien sûr, vous l'avez pas volé? Rends-lui l'argent. Rends-lui l'argent, c'est mieux que tu ne gardes pas l'argent, Alexa. Ok, viens, on va sortir, je pense. C'est quand même gentil. Hein. Ouais, c'est quand même sympa, mais... C'est pas... Faut pas faire ça, en fait, monsieur Pomme. Je crois que vous avez vraiment des problèmes. Vraiment des problèmes
bah je sais pas, peut-être une maladie ou je sais pas. C'est pas normal de faire ce que vous avez fait, vous vous rendez compte que vous êtes quand même introduit chez moi, vous avez capturé ma fille, vous l'avez kidnappée plusieurs fois, juste pour lui ramener à cet endroit-là. Vous m'aurez juste dit, ah, madame, s'il vous plaît, j'aimerais bien lui montrer ça. J'aurais dit, pas de soucis, c'est pas un problème, mais là, c'est trop bizarre. Donc là, ça veut dire que moi, je vais vous ramener au centre de police et je vais vous réemprisonner, là. Oh non. Je suis désolée, monsieur Pomme, mais si vous faites votre peine normalement, vous allez sortir peut-être bientôt, je sais pas, mais faut pas faire ce genre de choses, d'accord? Mais j'en ai profité pour m'enfuir parce que Patrick était pas parti et des policiers pas très futés. Bah oui, non mais je croyais que vous les aviez corrompus parce qu'ils étaient trop bizarres. Vous les... Ils sont trop bizarres, les policiers. Patrick, depuis que Patrick est parti, c'est le chantier. Attends, ouais, maman, oui maman, mais il te fait pas de la peine, là, monsieur Pomme? Quoi? Il te fait pas de peine, là, monsieur Pomme? Il a voulu me donner l'argent qu'il a gagné. Il t'a fait quoi? J'ai pas compris. Il a voulu me donner l'argent qu'il a gagné. Ouais. Alors qu'il a travaillé. Ouais, c'est bizarre. Garde ton argent, en vrai, c'est gentil. Garde ton argent, monsieur Pomme. Gardez votre argent. Merci beaucoup, Katsuki49, pour la donation de 5 euros. On doit tous faire une émote, pour le coup. Tout le monde doit faire une émote. Vous aussi, vous devez faire une émote. Bon. En tout cas, nous, on a tous fait une émote. Allez, bah, allez, Alexa, maintenant, c'est l'heure de rentrer à la maison. Allez, on rentre. Allez, allez. Attends, je peux parler à monsieur Pomme? Tu veux lui dire quoi encore? Comme si t'avais pas assez de moments là pour lui parler. Allez. Et lui aussi, là, il voulait me kidnapper. Dis-lui ce que tu as à dire. Pardon. Mais ça va pas. Mais pourquoi pardon, Alexa? Quand tu lui avais frappé ses barreaux au prison. Mais pourquoi tu m'as pris moi pas gros yeux? Ça se fait pas. J'avoue, c'est une bonne idée ça. Pourquoi vous l'avez capturé elle et pas gros yeux? Pourquoi je ne trouvais pas. Hein? Ah ouais, parce que gros yeux, il est pas chez... il était pas à la maison. Allez, Alexis, on rentre, c'est bon, là tu l'as assez parlé là. Me dis pas que tu veux encore lui dire quelque chose. C'est bon. Non. Allez, on rentre, hop. Vous dites pas aux policiers qu'on est là. Bah vous, quittez les lieux, bah non. Moi, je dis à la police, je vais pas avoir de problème avec la police. Allez, on sort. Attends. Attends, t'es prête, Alexa? On va tout leur expliquer, d'accord? Tout. On va tout leur expliquer. Excusez-moi. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Ne tirez sur personne. Monsieur Pomme les a ramenés dans un endroit. En fait, il a voulu les ramener dans un endroit... Enfin, il a voulu ramener ma fille, Alexa, bah pour lui pardonner de tout ce qu'elle avait fait, enfin de... Bref. Donc c'était dans un endroit en fait, tout ça pour ça. Pour jouer à Fortnite sur un setup. Mais bon... En gros, ça veut... Oui. Ok. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien? Bah ouais. Si, il a quand même kidnappé. Si, c'est encore heureux que vous l'avez fait. Bah on doit l'arrêter. Donc il va aller en prison. Ouais, là il repart en prison. Allez monsieur Pomme, vous allez repartir en prison. Lexa, on sort, nous on rentre à la maison. Allez. On le laisse. Monsieur Pomme, suivez-nous s'il vous plaît, nous allons vraiment dans notre cellule. Lexa, suis-moi. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de pas de vous enfuir, vous avez le droit de me suivre. Quel est le mot que vous dites? Oh non, Lexa, c'est trop triste en vrai, cette situation. Oui, où j'ai mis ma voiture, moi? Vous n'avez pas le droit de manger une personne de votre famille. Vous n'avez pas le droit de quoi? Vous n'avez pas le droit de quoi? Vous n'avez pas le droit de manger des pommes. Hein? J'ai entendu, vous n'avez... Ah, Alexa, t'as entendu ce qu'ils ont dit? J'ai entendu, vous n'avez pas le droit de manger les membres de votre famille. Monsieur. C'est trop non, bizarre. Non, monsieur, n'avez pas lancé les voitures. Il est trop louche, le gars. Mais il est trop louche. Non, viens, on va rentrer à la maison. Mais c'est ma voiture, ça! Mais sortez de ma voiture! C'est ma voiture! Qu'est-ce qu'ils font avec ma voiture, là? Bougez de là! Sortez de ma voiture, là, oh! Hey, ma voiture, bougez, c'est ma voiture. Alexa, on rentre. Allez, méchant. Allez, non, te mets pas à l'intérieur. Ok, voilà, allez. Au revoir, monsieur Pomme, à jamais, monsieur Pomme. Bon, s'il est sage, on ira le voir, peut-être de temps en temps. On ira lui rendre visite. S'il est sage, c'est que là, criminel, ça suffit, hein. Faire des histoires comme ça. Des histoires, en plus, pas possible. C'est pas possible, ce qu'il fait, c'est pas possible. Allez, tu sors? Tu veux qu'on aille récupérer d'ailleurs gros yeux? Mais maman, j'ai une question. Ah oui?
Mais elle est où notre voiture? Bah en fait, je sais pas. Je peux te les cacher, en fait, ils nous ont donné cette voiture-là parce que j'avais perdu l'autre. Donc bon, en plus celle-ci, elle est abîmée maintenant, ça m'énerve. C'est pas grave, on ira la récupérer un peu plus tard. Tu veux qu'on aille récupérer Gros Yeux ou pas? Oui. Tu veux qu'on aille le récupérer? Vas-y, bah allez, on y va. Bah je crois que de toute façon, il est juste en face. Non? Il est chez ses copains. Tu sais, il est allé chez quel copain? Parce que lui aussi, si on la commence à me dire qu'on l'a perdu, ça va m'énerver. Attends, on va essayer. Normalement, il était chez qui? Non, il était chez lui. Il s'appelait comment déjà? Il s'appelait pas Jawed et Ali? Oui. C'était eux normalement. C'était eux. Bon, on va y aller, on va voir. C'est là. Pourquoi la porte en plus elle est ouverte ici aussi? Oh là là. Attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe ici. Maman, au pire, on fait une soirée fille toutes les deux. Tu veux qu'on fasse une soirée fille là? Oui. Tu veux pas qu'on récupère Rosie maintenant du coup? Oui. Ok, vas-y, viens, on va aller à la maison alors. Bah, on laisse encore Gros Yeux une heure, pas plus, hein. Après, on rentre. En plus, je crois qu'on s'est trompé de maison, Lex. Je crois qu'on s'est trompé de maison. Je crois pas que ce soit la maison de Jawed et Ali. Oups. Là, là, là. On n'a rien vu. Tu diras à personne, hein, d'accord? Tu diras à personne qu'on a fait ça. Ok, Lexa? Je suis morte. Allez. Alors, tu veux qu'on fasse quoi pour notre soirée fille? On s'est maquillé. Tu veux qu'on se maquille? Mais ça va pas, loulou. Oh là là. Vas-y, on rentre à la maison, on va voir. On va réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir faire. D'ailleurs, juste avant, est-ce qu'il t'a donné... Quoi? T'entends pas du bruit? Non. Y'a quoi? Non, rien, c'est bon. Pourquoi? Je sais pas, je vois des traces de pas. Où ça? En haut. En haut? Oui. Non mais attends, là s'il se passe encore quelque chose, moi c'est bon, j'en ai marre. Hein. Comment ça? Mais non, y'a rien. Dans la pièce secrète. Dans la pièce secrète, tu penses? Y'a rien dans la pièce secrète, loulou. Y'a rien du tout. C'est pas grave. Du coup, est-ce qu'on peut se maquiller dans la pièce secrète? Ah, d'accord, c'est ça, c'est juste ça en fait que tu voulais. Tu voulais juste qu'on aille à l'intérieur et que tu me forces à que je te dise oui. Mmh. Oui. Ouais. Je sais pas, le chat, est-ce que je lui dis oui, là? D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur le live. On arrive bientôt aux 6000 pouces bleus, je vais voir mettre un maximum de pouces bleus. T'sais quoi, Alexa? Si on arrive aux 6000 pouces bleus, c'est que ça veut dire qu'ils veulent que tu te maquilles, sinon non. C'est simple, s'il n'y a pas 6000 pouces bleus, c'est que la réponse est non, d'accord? Bon, en attendant, tu peux regarder la télévision, hein. Regarde la petite télé. Tu veux pas regarder la télé? Mettez un pouce. Bah c'est peut-être, sinon c'est pas grave. Après mettez un like si vous aimez bien le live aussi, surtout. Si y a les six. Moi je me transforme. Comment ça? Tu veux transformer en quoi de toute façon? Ok, c'est bon. Oh là là. Oui, ils vont mettre le code choco pour me soutenir et pour nous soutenir. Ok. Ah, il y a bientôt peut-être les 6000 pouces bleus. Tu vas peut-être te maquiller. Ils veulent peut-être que tu te maquilles, que ça en fait, en fin de compte. Regarde. Oui. Moi, je fais une émote. Il faut danser, il faut être gentil dans la vie. Ok. Ouais, tu vois? Ouais. Tu vois, il faut se dandiner, il faut être heureux et heureuse. Ah, bah peut-être que tu vas pouvoir te maquiller, peut-être que tu vas pouvoir te changer, Lexa. Et dans moins de 50, moins de 40, moins de 30, 5 pouces bleus, Lexa. Ah. Si on arrive aux 6000 pouces bleus, Lexa, tu vas pouvoir. Est-ce que tu penses qu'on va voir les 6000? Est-ce que tu penses qu'on va voir les 6000? Bah, quoique non. Quoique si, dans 9 pouces bleus. Dans si. 9. Et c'est bon, Lexa, tu as le droit de te maquiller. Vas-y, va te maquiller. Oui. Mais un petit peu, hein. Commence pas à mettre tout ton pot sur ta tête. Vas-y. Allez, loulou. Mais non, moi, je veux pas me maquiller. C'est moi que je vais te maquiller, toi. Mais ça va pas, Lexa! Oh. Heureusement que je peux réapparaître, sale folle! Mais ça va pas? J'ai pas fait exprès! Mais elle est pas bien cette fille! Elle a quand même essayé de me tuer! Wow! Heureusement qu'on est sur Fortnite, hein! Oui, fais comme si de rien n'était! Non mais. Bon, je vais rentrer à la maison. Hop! Ah! Les rochers!
C'est ma voiture, ça, qu'est-ce qu'il fait là ici? Bon, je sais pas. Hein. Trop bizarre, mes voitures, elles sont disposées un petit peu partout. Là, 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 on rentre à la maison. Lexa, alors, du coup, c'était quoi l'histoire? C'est toi que tu es censée maquiller? Oui. Oh non, mais non, ça veut dire que tu maquilles ici, en fait. Je vais te faire un party, tu vas devoir me dire tout ce que je dois mettre comme skin, etc. Non. Vas-y, je change de tenue. Faut mettre le partage. Oui, je mets mon partage. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. S'il te plaît, sois gentil. Hein. T'as le droit de me maquiller, mais sois gentil quand même. Hein. Vas-y, alors. Déjà, j'aimerais bien remettre Pauline en normal. Est-ce que je peux? J'aimerais bien la remettre comme ça. Je suis mignonne comme ça, non? Regarde, t'as le droit de me mettre en bas ce que tu veux. Est-ce que je peux changer de personnage aussi, de skin? Tu veux que je me mette en lui? Monsieur Pomme. Non. Voilà, ok, oui, t'as le droit. Je suis obligée, là, pour le coup. Tu mets en bas. En quoi? En bas. En bas? Ah, non, en haut. En haut? J'écris en haut. La fille jaune. Hein? Non, la fille jaune. Celle-ci? Non, elle s'appelle la fille jaune. Voilà, elle. Elle s'appelle la fille jaune, mais elle s'appelle... Oh non, mais... J'aime bien ce skin, mais ses sourcils sont très étranges, je trouve. Après, elle est mignonne. Et j'ai mis en jaune. Oui. Ok, je suis en Flavia, là. Mais c'est pas du tout moi, là. Je suis plus... Là, je suis devenue Flavia, je suis plus Choco, là. Oh non, hein. Mon sac à dos. Maintenant, je mets quoi comme sac à dos? Tu mets... L'étincelle. L'étincelle? T'as pas de goût? Oui. C'est immonde. Oui, c'est trop joli, ouais, waouh. Waouh, c'est trop beau. C'est mignon, ça. Ça aussi, c'est mignon. En plus, vu qu'elle est jaune, ça, c'est... La fleur. C'est mignon, ça, oui. Je peux. Ouais. Et puis ça, je mets quoi à la place du poisson? À la place de gros yeux, je mets quoi? Tu mets la licorne. La licorne? Oui. Ça? Oui. Ok. Tu veux pas que je mette les bonbons? Ah si, si, si. Les bonbons. Je sais pas ce que tu veux. Ok, je mets les bonbons, d'accord. Et puis, pour terminer, là, t'as le droit de maquiller une dernière fois, là. Tu veux que je me maquille avec quoi, ça? Celui-là, il est beau, déjà. Ok, donc je laisse celui-ci? Oui. Ou bien, je peux mettre aussi un truc jaune, puisque mon skin est jaune. Mais c'est immonde. Ok. Vas-y, je vais mettre ça, vu que c'est jaune. C'est trop belle. Ah, ça pour toi, là, je suis belle. Ah, oui. Mais je suis devenue... Je suis plus ta mère, là, c'est pas moi, ça. Ah, regarde-moi. Vous préférez laquelle? Vous préférez ça ou l'autre skin? Moi, je préfère l'autre. C'est pas Alexa, j'ai le droit de me changer maintenant? On doit danser avant. Ok, je fais une émote, d'accord, attends. Je fais une jolie émote, sinon j'ai pas le droit, tu m'as dit, d'accord, ok. Ok, attends, une belle émote. Tu dois mettre de la musique. De la musique? Comme ça, c'est bien, non? Oui. Avec une émote et de la musique, je sais pas, parce que c'est copyright, donc... C'est bon, ça? Pas oui, effet. Et maintenant, tu dois mettre la pub. Comment ça? Non, mais tu me demandes un peu trop, Alexa. Oui, tu t'es fait... c'est vrai que tu t'es faite... Oui, c'est vrai, je t'ai faite kidnapper, mais là, ça fait trop. L'autre, elle était beaucoup plus belle, hein. Tout le monde le dit dans le chat. Je dois mettre quoi, t'as dit? La pub. Tu veux que je balance la pub? Oui. Ok, d'accord, ok. Bah, je veux quoi, du coup? Bah, balance la pub. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci. C'est bon, j'ai balancé la pub, loulou. C'est fait, j'espère que voilà, tout le monde s'est abonné, tout le monde a mis le gros pouce bleu. Regardez la petite fleurette. Quoi, Choco? Sinon, tu quoi? Je me transforme. C'est des menaces, ça, encore, ça, dis donc. Oh. Attention. Attends, ça va pas, mais t'es pas bien. Bon, maintenant, s'il te plaît, est-ce que je peux me changer, là? Maintenant, c'est immonde. Je veux pas rester comme ça. Coach Choco, merci, Vélanel, oui. Coach Choco. Ok, bon, je me change, hein, vite, parce que là, c'était vraiment pas bien. Allez, on regarde les pré-sauvegardés. Ça, voilà, je vais mettre ça, charger, hop, c'est fait. Juste le sac à dos, je vais me remettre un sac à dos tout mignon, tout craquant. Le sac à dos de ma petite Fifi. Ok, voilà. Et le petit skin Opaline, version toute mimi. Et voilà, là, je vais bien. Là, je suis Mims. Waouh.
Tadam! Là, je suis ta mère. Là, je suis plus belle. Tu m'as, tu sais pas bien maquillée. Hein. Ah oui, tu m'as mal maquillée là tout à l'heure. C'était vraiment moche. Mais bon, c'est pas grave. C'est méchant. Bon, tu dis que je suis quoi là? Que je suis quoi? Oups. Méchante. Non, non, mais t'as dit que je me maquillais mal. Non, pardon, c'est bon, j'ai rien dit. Moi, j'aimerais bien là, qu'on fasse quelque chose là, Alexa, avant que quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'on aille voir Monsieur Pomme. Oui. Tu vas un petit peu me juger, quoi. Tu sais même pourquoi voir Monsieur Pomme. En fait, c'est, j'aimerais bien lui poser des questions. Quelques petites questions. Oups, je t'ai fermé la porte dessus, pardon, pardon. T'entends du bruit? T'entends du bruit? Oui. C'est quoi? Attends. Le plancher se casse! Le plancher qui est en train de se casser. Faut monter. Mais attends, mais non, mais faut pas monter, attends. Mais c'est qui est en train de nous tirer dessus? Attends, mais sors, Alexa, sors! Mais il se passe. C'est quoi ça? C'est quoi? Comment je peux y accéder? Attends. Peut-être si je me mets comme ça. Ok. Si là maintenant, j'arrive à venir par là. C'est trop bizarre. Tu sais pas ce que. C'est quoi? Alexa, non mais c'est quoi qui fait ça? Non mais attends. Faut monter. Tu veux quoi? Oui, attends, on monte. Je comprends pas là, Alexa. Attends, mais t'imagines, il y a quelqu'un qui se cache à l'intérieur en fait depuis tout à l'heure? Je comprends pas là. Ah, Alexa. Il y a quelqu'un? Non. Bah non, mais bah, c'était quoi ces balles alors qui tombaient? What? Mais ça se trouve, à cause de gros yeux, la maison elle va se casser. T'imagines? Ah non, dis pas ça, arrête. À cause de sa pièce là. Sa pièce secrète, peut-être, on sait pas. Attends, on va regarder dehors dans les buissons. Je comprends pas, c'est qui vient de faire ça. Je comprends pas. C'est toi qui fais du bruit en fait. Je comprends pas, c'est trop bizarre. Mais j'entends encore! Non, mais là c'est. Mais c'est quoi ça? Mais je sais pas, c'est qui lance des balles? Attention! Ici, il y a une trace de balles! Ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que. Mais c'est qui? C'est les policiers, mais. Mais ils font quoi, les policiers? Comment? Madame, il n'y a pas le sens d'échapper. Mais encore? Attendez, on descend, on arrive. Attendez, on arrive. Mais quoi? Avec des armes? Mais qu'est-ce qu'il. Il est avec un complice. À quoi? D'accord, avec son complice. Ah, mais j'arrive même pas à descendre. Ah, mais moi c'est bon, hein, je commence à en avoir marre de cette pomme. Hein. Pousse-toi, Alexa, pousse-toi. Là, c'était rigolo un temps, mais là, ça commence vraiment à me gaver. On peut pas vivre normalement. Oui, oui, quoi encore? Oui. La pomme s'est échappée. Comment? Attendez, je comprends pas, on peut parler tous en même temps. Les policiers, là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, pour résumer. Oui, je suis en attendez, vous parlez tous en même temps. Une personne à la fois. Il se passe quoi avec Monsieur Pomme? Alors, pour résumer... Attendez-vous. Oui? Pour résumer, Monsieur Pomme s'est échappé. Oui, mais comment il s'est échappé encore? Parce que vous l'avez laissé s'échapper. Moi, c'est bon, moi, j'ai signé mon arrêt. Moi, c'est pas mon problème. Tant que ma fille, elle est là, vous vous débrouillez avec Monsieur Pomme. Vous le trouvez, je veux juste pas avoir un problème avec lui. C'est simple. Je pense qu'il va essayer de tuer votre fille. Comment ça? Oui, mais je crois pas, il voulait lui donner des bonbons tout à l'heure et... Bah alors peut-être vous. Hein? Peut-être vous, c'est vrai. Non, je crois pas, arrêtez de dire des bêtises, non, c'est pas possible, je n'y crois pas. Laissez-nous tranquilles, moi et ma fille, moi je voulais qu'on l'interroge, mais là c'est bon, hein. Laissez-nous, moi et ma fille, on va rester tranquilles dans notre maison. Vous voulez pas qu'on surveille votre maison au cas où il se passe quelque chose? Ouais, si, je veux bien que... Non mais un vrai policier, d'accord. Vous non, vous êtes bizarre, vous m'avez écrasé deux fois, vous oui. Moi? Non, c'est pas moi, c'est... Si. Je préfère vous. Moi, je suis d'accord. Je vous préfère. Vous avez l'air d'être très rigolo en plus. De ça. Ah, d'accord. Ok, allez, au revoir les autres. Hein. Vous pouvez partir. Il va juste surveiller lui ma maison. Alexa, on va rentrer à la maison, d'accord? Ça me donne envie d'être ennuyé. Il fait trop froid dehors. La prochaine fois, rappelle-moi de pas mettre des t-shirts. Allez, on rentre. Hop. On va regarder la télé. On va regarder la télé. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Viens. Hop. Et comment je fais pour retirer ce truc là? Parce que ça, je ne veux plus qu'il y ait écrit. Ça, la lettre est incrustée. Je sais pas comment on va la retirer. Tiens, Alexia, on va.
On va se reposer un petit peu devant la télévision. La téloche, la téloche. La téloche. Et puis gros yeux, tu veux qu'on le récupère à quelle heure, toi ? Lexa ? Tu veux qu'on le récupère aujourd'hui ou demain, gros yeux ? Lexa ? Elle a disparu, la petite Lexa. Elle va dormir, je pense. Bon, moi, je vais aller en haut dans sa chambre, tranquillou bilou. Je vais aller me reposer aussi, je pense, dans sa pièce secrète. Parce qu'en vrai, sa pièce secrète, dit comme ça, elle est plutôt nulle. Mais non, en vrai, hyper bien. J'ai limite envie de laisser la pièce secrète de gros yeux. Je sais pas. C'est un petit truc secret, c'est cool. Attention, attention, attention. Oh, attends, what? Tu peux casser? Essaye. Refais ce que tu viens de faire, Alexa. Waouh, ça fait un truc bizarre. T'as des pouvoirs ou quoi? Attends, refais. C'est quoi ce... Mais... Aïe, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Mais c'est trop bizarre quand tu pioches, ça fait quelque chose d'étrange. What? Elle a des pouvoirs, ma fille. Oula, peut-être qu'elle me... Je sais pas. Peut-être qu'elle a des trucs secrets. Bizarre, bizarre, cette fille. Bon, 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 Alexa, je crois que ça va être l'heure de se reposer. Je pense que la Monsieur Pomme, là, et l'autre, ce ne sont plus nos problèmes. En tout cas, j'espère qu'ils vont le retrouver tranquillement et que ce sera tranquille. Et qu'on n'aura plus de soucis avec eux, parce que c'est pas notre problème. Encore une fois, on n'a pas fait attention. Moi, je t'ai cherché surtout parce que tu étais ma fille. Le reste, on s'en moque, voilà. Bon, je crois que je vais me reposer surtout, moi aussi. J'espère que ce live vous aura plu, les abonnés. Que ce stream vous aura fait plaisir. Si vous voulez d'autres lives comme ça, je veux voir dans la rediffusion du live. Je veux voir 7000 pouces bleus. Mettez un maximum de pouces bleus. Mettez le code Choco dans la boutique si vous voulez me soutenir. Et on arrive bientôt aux 300 000 abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube avec la cloche notification. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la voir. Je vous envoie le lien dans le chat. Cliquez tous sur le lien que je vous envoie dans le chat ou bien le lien qui est en description. Je vous fais des très très gros bisous. Passez une très très bonne journée. Et puis rendez-vous aujourd'hui à 12h30 sur ma chaîne secondaire, il y aura une vidéo. Et sinon à 14h15, il y aura aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Bisous les abonnés. Et sinon demain à 10h, un live. Voilà. Chocolat de Vanilla est déconnecté. Abonne-toi pour savoir quand je live. Bisous les loulous.